envie de sortir du train-train quotidien, de renforcer votre complicité, de rencontrer des couples inspirants pour des partages d'expériences enrichissants, inscrivez-vous dès aujourd'hui pour participer à une escapade romantique dans un cadre paisible et ressourçant. Venez vous évader à deux, loin du travail, loin des factures, loin des tâches ménagères, loin des enfants, et passez une journée mémorable avec votre moitié autour de nombreuses activités ludiques. Rendez-vous le lundi 1er mai 2023 de 8h à 16h au Jardin Botanique de Benjerville pour ajouter un merveilleux souvenir à votre album de couple. Réservez votre place dès aujourd'hui par couple. Esprit de Dieu, je lève mes mains vers toi. J'ai soif de toi, viens me remplir. Mon cœur tourné vers toi, inonde-moi, viens me remplir. Conduire mes pas, toi qui connais le Père. Les profondeurs de Dieu, ouvre-moi les yeux, je veux connaître mon Dieu. Esprit de Dieu, viens me remplir, viens m'inonder, me remplir de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit.
Saint-Esprit,
Merci Seigneur Dieu, merci Père pour ta grâce.
Merci pour ta présence. Merci pour ce mardi 25 avril 2023. Nous te rendons grâce pour toutes choses. À toi l'honneur, la gloire, la louange, l'exaltation, c'est des siècles. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un donne un bon. Amen. Quelqu'un donne un bon. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous et toutes dans le puissant et impressionnant de Jésus. Nous sommes le 25 avril 2023. Je te souhaite la bienvenue à notre école des prophètes. Nous sommes en ce moment en train de parler du combat des rêves, du combat dans les rêves. Le Seigneur voudrait, par la parole qu'on va partager aujourd'hui ensemble, t'apprendre à reprendre le contrôle de tes rêves. Tu sais, c'est dans des rêves que Dieu a téléchargé en Salomon, c'est par un songe, l'intelligence, la sagesse qui lui était réservée. Dieu avait un plan et Dieu est apparu à Salomon en songe et lui a téléchargé. Abraham, il lui a donné une vision. La Bible dit que Dieu parle tantôt par des songes et par des visions nocturnes. Et il te montre ce que tu dois faire. Mais il se trouve que beaucoup de rêves, beaucoup de songes sont oubliés parce qu'elles entrent dans le cycle normal des rêves. Les rêves s'envolent, les cycles s'envolent. Et Satan particulièrement, comme on l'a étudié les dernières fois, qui a combattu le rêve de Joseph, parce qu'on voit en Genèse chapitre 37, il dit ceci, « Venez, tuons-le, tuons Joseph et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Satan a peur des rêves. Le rêve transporte pas simplement une information, mais il transporte un pouvoir. C'est ce que la Bible présente comme étant les songes scellés, les rêves scellés, ou bien les instructions, pardon, scellées. Les singes ne sont pas juste des simples vues d'esprit, mais ils transportent certains pouvoirs, certaines capacités. Je te disais tantôt que c'est en rêve que Dieu a dit à Salomon, je te donne une sagesse hors du commun. Donc, la sagesse hors du commun de Salomon lui a été téléchargée pendant qu'il était dans le rêve. Et dans la pratique, il a pu agir d'une certaine façon. Beaucoup d'éléments de ta destinée, des ressources que tu vas avoir, te sont communiqués dans des rêves, dans des visions. Et si tu es soumis, tu fais l'objet d'oubli souvent, de tout. Donc ces choses-là peuvent rester bloquées et connaître un retard dans ta vie. Comment aujourd'hui tu peux te rappeler des rêves majeurs de ta vie? Comment combattre? Pourquoi l'ennemi cherche à tuer tes rêves? Les rêves sont très importants, car n'oublie pas ce que Dieu a dit. Un des travaux que va faire le Saint-Esprit dans le temps de la fin, c'est de répandre, le Saint-Esprit va être répandu, il va répandre par des songes, par des rêves, par des visions, n'est-ce pas, pour que nous puissions prêcher la parole au monde entier. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois le bienvenu donc à cette école des prophètes. Amen. On va toucher aussi des sujets comme les attaques de mari de nuit et puis comment est-ce que cela peut bloquer le mariage, bloquer la vie conjugale. Il y a de nombreuses personnes parmi vous, on a des témoignages, on va traiter avec certains songes interprétés. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont beaucoup de blocages dans leur vie justement parce que leur histoire, leur rêve est bloqué dans le passé. Je toucherai aussi après un point. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à avoir de rêve de réussite, de rêve de gloire. Je me suis demandé, mais pourquoi des enfants de Dieu n'ont pas de rêve de grâce, de rêve de gloire? Il y a des gens, quand je les écoute chaque fois, ils ont que des rêves de combat, des rêves un peu compliqués, des rêves difficiles. Or, les projets que Dieu a établis pour nous sont des projets de paix et non de malheur. Donc, il y a très peu de gens qui... Je me posais la question, mais pourquoi il y a très peu de gens qui ont des rêves comme Joseph, où il se voit chef, en train de diriger quelque chose, en train de faire des grosses campagnes? Les gens ont très peu de rêves, ils ont des grandes maisons, ils ont très peu de rêves. Et Nessie m'a dit, Jean, ces rêves-là, je les donne, mais ils sont combattus. Les gens les oublient. Tu dis, Seigneur, tu donnes ces rêves-là? Il dit, oui, mais la plupart des gens ne les ont pas, parce que l'ennemi les combat. L'ennemi les combat. Il ne veut pas que tu aies ce genre de rêve. Les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix. Mais or, il y a beaucoup de choses que tu ne rêves pas, qui ne peuvent pas prendre place. Le rêve est le moyen par lequel Dieu va faire atterrir les éléments de ta destinée pendant que tu dors. Il vient faire les faire atterrir en toi et au matin, il te donne la capacité de les exécuter et les ressources pour les exécuter. Est-ce qu'on est ensemble? Donc vraiment, aujourd'hui, tu vas vraiment restaurer, tu vas vraiment voir que les esprits de mari de nuit qui t'attaquent là viennent pour voler ton mariage ou bien pour voler le bonheur conjugal, truc. Et je me suis rendu compte que aussi les esprits de mari de nuit n'étaient pas... C'est pas forcément qu'on est conscient d'avoir des rapports intimes. Parce que même c'est un rapport intime qu'on a dans les rêves, l'esprit, après avoir fini d'abuser de toi dans ton rêve, fait que tu les oublies. Donc on va vraiment combattre l'esprit d'oubli. Donc la personne se réveille le matin, tout ce qu'elle ressent, c'est que
voilà, son mari l'énerve ou sa femme l'énerve, c'est tout. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, on va toucher beaucoup de toi. On va revenir sur un des points que j'avais traité avant. On parlait des opsoma et puis des forteresses mentales. Ok, en tout cas, que Dieu te bénisse abondamment. On a plein de choses à voir aujourd'hui avec quelques invités. Et on va prier. Ne te prive pas vraiment de ce moment. Alors, ne reste pas seul à être béni par cette rencontre. Fais comme je suis en train de faire maintenant. Voilà, viens ouvrir ta page Esprit de Dieu. Voilà. Et tu fais comment? On va partager, on va inviter des amis. Tu vas partager à des groupes. Partage à des groupes. Voilà. Sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, dans toutes les pages. Voilà. Aujourd'hui, Jésus va guérir. Aujourd'hui, Jésus va rétablir. Aujourd'hui, Dieu envoie sa parole pour te guérir. Dieu envoie sa parole pour te restaurer. Dieu envoie sa parole pour te conduire. Dieu envoie sa parole pour te rappeler les rêves importants que tu as, que Dieu t'a envoyé pour te diriger, pour te conduire. Dieu envoie sa parole aujourd'hui pour te guérir. Il y aura des guérisons, des restaurations, des transformations. Alléluia. Alors, pendant que tu continues de partager, d'inviter pour ce temps de formation et de prière, hier, la semaine qui vient de s'écouler, on était à Tabakala, donc la deuxième ville de notre tour, 931, et Dieu a fait de grandes choses, Dieu a fait des choses extraordinaires. Je te demande donc de voir cet extrait vidéo des choses qui ont été faites à Tabakala. Alors, pendant que tu regardes ces vidéos, regarde-la avec la foi, reçois l'onction pour être un gagnant d'âme, un évangéliste, reçois l'onction de la guérison, reçois la santé divine, que les miracles qui prennent place sur tes miracles. Et si tu es quelqu'un qui est bien portant, regarde cette vidéo en disant: Seigneur, utilise-moi dans le surnaturel, utilise-moi dans le miraculeux, donne-moi d'être un instrument de tes mains. Et pendant que tu vas regarder, quelque chose te sera transféré, quelque chose te sera transféré, tu vas opérer à un autre niveau. Ensemble, voyons ce que Dieu a fait à Tabakala. Nous sommes au nord. Il suffit de constater, au vu des statistiques, des interventions, il y a également du matériel mis à disposition, sans oublier le montant total de l'intervention, pour rendre compte que nous avons été visités par la grâce. Les consultations pour elles, qui sont en train d'être faites en ce moment-là, en termes de prise en charge, pour cela, se lèvent au montant de 22 millions de francs CFA. Ces aides et ces dons ne viennent pas de l'étranger, on n'a pas de partenaire, on n'a pas de... Ouais, c'est pas l'État qui nous aide. Et c'est les offrandes qu'on a plusieurs églises à travers le monde qui ont dit on s'en va quelque part. Parce qu'il y a besoin. Et des frères et des sœurs se lèvent. Chacun donne. C'est tout ce que nous devons qui nous permet de faire cela. Tu veux marcher? Tu veux marcher. Quand on s'assoit sur mon fauteuil, on s'élève. C'est un fauteuil miracle. Ah, ce soir, il est venu, il a laissé le fauteuil, il commence à marcher. Ce soir, Jésus a fait marcher plusieurs paralytiques. Jésus t'a visité par son messager. Il a envoyé son serviteur pour changer ta vie par la parole de Dieu, pour changer ta situation par la puissance de Dieu, pour te guérir de toutes les maladies. L'œuvre de Jésus est venue pour nous délivrer. Dis: je crois. Je crois. Tu as fétiche sur toi et tu as accepté Jésus. Fétiche là, ça gâte ton Jésus. Viens, on va brûler ton fétiche. Seigneur, Satan marque les enfants depuis leur enfance, amenant certains dans la sorcellerie, les dévorant, même depuis le sein de leur mère. Mais nous savons que tu as du temps si tu oins, même pendant que femme est enceinte. Donc si tu oins pendant qu'on est enfant, que ceux qui sont là, l'onction soit suivie. Tout ce qui se passe et tout ce que nous voyons, nous pouvons dire que le Seigneur est entré véritablement à Tabakala. On nous parle de 300 personnes qui ont bénéficié des soins gratuitement. C'est important, c'est énorme.
Et tout à l'heure, il va avoir une remise des dons. Et ça, c'est autant d'actions que nous apprécions. Parce que le pasteur, de par ses actions, participe au bien-être de notre population. C'est la toute première fois qu'un homme de Dieu qui vient pour une croisade passe nous rendre visite. C'est une grande première dans l'histoire de la chefferie de Dabakala. Beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de Dieu, chacun prétend, j'ai ma religion, je crois en Dieu, je prie Dieu. Mais tu as ta religion et Satan est en train de te maltraiter. La nuit tu dors, on te poursuit en rêve. C'est parce que tu appartiens à Satan. Celui qui pêche, il est du diable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. L'œuvre de Jésus est venu pour nous délivrer. Je viens de la part de Dieu pour que toi aussi tu sois délivré. Cet ranger, il est un esprit. On lui a envoyé un esprit de folie. Esprit de folie. La personne s'appelle Fofana. Il est dans ces deux places. Souvent, il a mal à la tête. Et c'est comme s'il oublie tout. C'est qui Fofana? La main de Dieu te localise. L'esprit de folie qu'on a mis sur toi, ça va maintenant au nom de Jésus. Esprit de folie qui est venu contre le jeune Fofana. Au nom de Jésus. Vous êtes libre, vous êtes libre. Les sourds, la puissance de Dieu arrive vers vous. Vos oreilles sont débouchées maintenant. Maintenant. Depuis un mois, elle n'attendait pas de l'oreille droite. Oh là là. Lorsque vous avez claqué le doigt, elle a entendu cela. Qu'elle fait comme ça là. Elle entend parfaitement. Jésus fait des miracles. Merci. Maintenant, j'entends tout ce que les gens disent. Oui, elle entendait des bruits comme faux. Lorsque vous avez commencé à prier pour les malades, elle a senti un vent. Ce sont tes parents. C'est qui? C'est la fille de mon oncle. Oui. Quand je l'appelle, elle s'appelle Yinye. Yinye, bon, elle ne m'entend pas. On a prié sur elle. Aujourd'hui, encore même chose. Ah, vraiment, moi-même, je me suis arrêtée derrière. Je l'ai appelée Yinye. Elle a répondu. Dieu, je voudrais savoir. Certifie qu'elle n'attendait vraiment pas. Maintenant, elle entend. Oui. Mets-toi derrière elle, appelle là. Bon, de toute façon, elle m'a répondu ici, donc elle m'entend. Mets-toi derrière elle. Ta mère a quoi fait, Yahweh? Yinye. Maintenant, vous qui ne marchez pas, regardez-moi, levez-vous. Redresse-toi. Au nom de Jésus. Tes jambes se redressent. Vous qui ne marchez pas, venez devant, marchez. Tu marches tendu. La puissance de Dieu te guérit. Tu es redressé maintenant. Il y a un an, papa a eu un AVC. Oui. Et il venait, sa femme dit qu'il l'a transporté pour venir. 30 quoi? 30 ans qu'il ne pouvait pas marcher. Pendant 30 ans. C'est tout à l'heure. Il a jeté ce bois. Depuis qu'il est petit, il ne peut pas marcher. Il se lève à chaque fois, il tombe. Oui. Et ce matin, on lui a donné cette chaise roulante. Mais c'est moi-même, je lui ai donné le fauteuil. Ah. Et je lui ai donné le fauteuil. J'ai dit que quand on s'assoit sur mon fauteuil, on s'élève. Ce soir, il est venu, il a laissé le fauteuil. Il commence à marcher. Depuis 15 ans, notre soeur avait des problèmes de nerfs. Ça fait combien d'années tu souffrais? Ça fait 15 ans. Tu étais assise là-bas. Et c'est aujourd'hui ça marche. Et les yeux, comment ça va? Les yeux, ça va, mais je vois un peu flou. Maintenant, au nom de Jésus, marche, marche, marche. Jusqu'à tu danses, tu ne vois plus flou maintenant. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit pour sa vue. Au nom de Jésus, ça va? Bon, regarde. Le gars qui est là-bas, tu le vois? Je le vois. Ça fait un an que tu ne peux plus marcher. Oui. Maintenant tu es guéri, lève-toi, tiens-toi debout. Marche.
17 ans que notre maman ne pouvait même pas bien marcher. Maman a vécu deux miracles ce soir. Deux miracles. Elle n'arrivait plus à marcher sans ce bois. Oui. Et en même temps, elle a commencé à perdre la vue au niveau de l'œil droit. Elle était noire. L'œil droit ne voyait plus. Rien du tout. Gagnadé. Monsieur. Deux ans. Ne oui, là, comme il faut dans les cas, nous pouvons. Je me suis levé la nuit. C'est comme si c'est des choses qui sont dans mes yeux. Il y a le tout, bébé. Oui, avec qui pour la poule. Il va faire jour, ça commence à couler. Ça me faisait très mal. Si je fais comme ça, je vois la lumière. Et je vois tout est blanc. Je ne vois rien. C'est mal. Aujourd'hui, le mal. La plante de pied. Que depuis 3 mois, je ne marchais pas. Depuis 6 ans. 6 ans. Maman souffrait tellement des yeux. Tu ne voyais pas bien. Oui, je ne voyais pas bien. Il tombe même dans ton témoignage. Il dit qu'il la connaît. Je dis vraiment alléluia pour Madame Badou, la voisine. Elle ne voyait pas sans lunettes. Elle ne pouvait pas marcher, aller au marché sans lunettes. Aujourd'hui, à 10 mètres, à 20 mètres, elle voit. Moi, je dis alléluia. Jusqu'à où tu ne pouvais pas voir? Est-ce que tu pouvais voir où il était avant? Non. Là, tu le vois maintenant. Oui, oui, bien même. Fais quelque chose. Il a fait quoi? Alléluia. Jésus est venu te détacher afin que tu puisses le servir. Qui veut servir Jésus? Qui veut servir Jésus? Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci mon Dieu pour toutes tes œuvres merveilleuses à Dabakala au nord de la Côte d'Ivoire. Merci Père. Et je sais que pendant que nous regardions ces vidéos, quelqu'un était guéri, quelqu'un arrivait à marcher, quelqu'un voit une boule qui disparaît de son ventre. Je prie pour toute personne connectée qui est malade, que la santé, la guérison soit ton partage. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus de Nazareth. J'entends un prénom Emmanuel. Et un Emmanuel qui a un problème aussi à l'oreille, à une des oreilles, je ne vois pas encore laquelle, qui a un problème à l'oreille, à qui le Seigneur est en train vraiment de guérir en ce moment même. Tu reçois la guérison, il y a quelque chose qui coule de tes oreilles et Dieu te guérit à cet instant précis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Elle s'appelle Rebecca, elle a fait une chute et elle a un problème au niveau d'un de ses genoux. La main puissante de Dieu arrive à toi maintenant et tu es guéri à cet instant précis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une maman qui est là, qui me suit. Tu as quatre enfants et ils sont en ce moment, à l'heure où je parle, au moment où je parle, ils sont en train de jouer au football dehors. À l'instant où je parle, tu as quatre enfants. Et je vois quatre garçons. Ils sont en train de jouer, parce qu'ils sont en vacances ou en congé. Ils sont en train de jouer dehors au football. Va les voir maintenant, tout de suite, prie avec eux, puis fais les rentrer. Voilà. L'ennemi a prévu quelque chose là, incessamment, contre tes quatre enfants. Contre un des enfants. Voilà une chute ou un problème qui sera arrivé. Mais cela n'aura pas lieu parce que tu me suis en ce moment précis. Et ils sont en train de jouer. Les quatre, à l'instant même là, où je pars, ils sont en train de jouer au ballon à l'extérieur. Qu'ils cessent, qu'ils vaquent à d'autres occupations maintenant. Voilà. J'ai vu comme un esprit d'accident, de drame intervenir en ce moment-là. Mais Dieu te prévient et cela n'aura pas lieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu pour tes bienfaits. À toi la louange, la gloire, l'exaltation. Tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui nous oriente. Laisse-moi à cœur de prier vraiment pour tes problèmes de documents, de légalisation de documents, d'autorisation de documents. Laisse-moi à cœur de prier pour cela et j'élève la voix. Tous ceux qui me suivent, qui ont des dossiers coincés sur le plan de documents, que Dieu vous délivre maintenant dans le nom de Jésus-Christ.
que tes documents soient en règle, que le Seigneur t'ouvre les portes. La terre est à lui, elle est son marchepied. C'est pourquoi en tant que fils et fille de Dieu, les portes te sont ouvertes dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Dieu, merci Père pour tes bienfaits. À toi la louange, à toi la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci mon Dieu. Sois élevé roi des rois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Alors, donc, tu viens de voir cette vidéo. C'était la deuxième ville. Cette semaine qui commence, donc, dès demain, on va lancer la croisade de la plus grande ville de la région, c'est-à-dire la ville de Kachola. Voilà, on était dans la région qu'on appelle la région du Hambol. Alors, cette région est une région qui est mystique, très mystique, comme le reste de la Côte d'Ivoire. Mais c'est un endroit, vous voyez, dans le nord, il y a beaucoup d'initiations mystiques dès l'enfant. Si vous regardez les vidéos, je prie avec les enfants. Il y a énormément de délivrances pour les enfants à cause de l'initiation aux œuvres mystiques. Mais Dieu est en train de faire une œuvre glorieuse, cascader tous les démons, libérer les enfants. Donc je vous demande de soutenir cela vraiment en prière pour cette dernière semaine, que vraiment la fin d'une chose, comme dit le Seigneur, qui est préférable au commencement, que la fin soit glorieuse, que Dieu parle au cœur, que des âmes soient converties, que des vies soient sauvées, que les équipes partent et reviennent en paix, que ceux qui sont déjà sur la route soient sous la protection divine et que tout aille bien pour la gloire de Dieu. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour tous ses bienfaits. Amen. Alors, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, donc je t'ai dit aujourd'hui que je serai toujours dans l'épisode de parler des combats des rêves, du combat des rêves. Amen, du combat dans les rêves. Je t'ai expliqué donc que Dieu fait beaucoup de choses au travers des rêves. Souviens-toi de Salomon, c'est par un rêve que Dieu lui a accordé la grande sagesse avec laquelle il a dirigé. Donc Dieu télécharge pendant les rêves des choses importantes. Mais l'ennemi va tenter de te faire oublier les rêves, c'est-à-dire empêcher ce que Dieu veut te donner de se réaliser et mettre dans ta vie un retard, des blocages, etc. Et l'ensemble des choses peut être lié à ce qu'on appelle aux idoles ou aux forteresses bâties dans la maison de tes pères, dans tes origines, cette incapacité à retenir les rêves, à savoir ce que Dieu t'a annoncé dans les rêves. C'est ce dont on parlera aujourd'hui, comment récupérer, comment restaurer, comment renouveler son rêve. Sois béni. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais qu'il y a plusieurs qui sont connectés pour attendre la réponse à ce toc-toc pasteur. Donc on y va pour le toc-toc pasteur. On y va. Toc toc pasteur. Bonjour pasteur. Alors, vous avez dit dans l'un de vos enseignements que l'âme est dans le sang et le sang transporte des informations attachées à un individu. Alors ma question est donc de savoir, dans un tel contexte, est-il possible pour un chrétien ou un individu lambda d'effectuer une transfusion sanguine? Superbe, belle question, n'est-ce pas? Hein? Il y a ma fille même qui m'a appelé, qui n'est pas en Côte d'Ivoire, qui m'a appelé et me dit: ah papa, vraiment, je voulais faire un don de sang. Je me demandais, est-ce que il y a tellement de choses dans le sang, est-ce que quand on fait une transfusion sanguine, on n'est pas en train de transférer certaines données lorsqu'on reçoit le sang d'autrui? Voilà. Que dit la Bible en ce qui concerne les transfusions sanguine? Que dit la Bible en ce qui concerne les transfusions sanguines? C'est ce dont on va parler maintenant en regardant ce que dit la parole de Dieu. Je t'invite donc à prier. Saint-Esprit, merci pour ta grâce divine. Merci parce que tu mets les mots dans ma bouche. Merci pour ta grâce. Étends ta main. Parle-nous, Seigneur Dieu. Révèle-nous ta voix. Parle à nos cœurs, Seigneur Dieu. Mets dans ma bouche les mots qu'il faut. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Merci, Père. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je te réponds, fils, de manière directe et simple. Et puis après, on va se plonger dans la parole de Dieu. Alors, donc, selon moi, et je crois qu'à la lumière de la parole de Dieu, il n'y a pas de problème à recevoir du sang ou bien à transfuser le sang. OK?
C'est vrai que doctrinalement, c'est débattu, surtout avec les témoins de Jéhovah qui, eux, ne font pas de. Refusent la transfusion sanguine sur la base de certains passages de la parole de Dieu. Effectivement, ils raisonnent un peu comme tu as raisonné dans ta question et comme un certain nombre d'entre nous raisonnent en ce qui concerne toutes les informations que contient le sang. Peut-on, doit-on accepter de recevoir le sang d'autrui ou bien transfuser le sang à autrui? Donc, je réponds comme ça et puis après, on va aller dans la parole de Dieu. Alors, ma réponse, c'est vrai qu'elle est ferme, elle est forte, simplement, mais la Bible, bibliquement, il n'y a pas un texte comme ça qui nous dit qu'on peut faire la transfusion ou pas. On peut faire la transfusion ou pas. En tout cas, on n'a pas de texte littéral relatif à la transfusion sanguine. Mais on a certains textes qui peuvent nous amener à comprendre et à interpréter en ce qui concerne effectivement le transfert de l'âme. Qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le sang? Comment l'âme fonctionne dans le sang? Donc, en fonction de cela, on peut le dire. Amen, amen, amen. Alors, ceux qui disent que généralement, donc, on ne peut pas transférer le sang vont s'appuyer sur certains passages que je cite souvent. Genèse chapitre 8, verset 3, il est dit, Genèse 8, 3, là, comme on peut l'afficher à l'écran, Genèse 8, 3, il est dit, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Verset 4, « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. » Seulement, vous ne mangerez pas. On peut avoir le texte à l'écran. Il faut que vous l'enlevez. Voilà. Hein? Seulement, vous ne mangerez pas. Voilà. Et que Dieu. Ok, bon, ça va. On va aller prendre Lévitique chapitre 17, verset 11 maintenant. La Bible dit là, Lévitique 17, verset 11, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Verset 14, il est dit, « Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. » Deutéronome chapitre 12, verset 23, « Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. » Deutéronome 12, 23, « Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Ok, gloire à Dieu. Donc, voici les différents passages sur lesquels ceux qui sont contre les transfusions sanguines utilisent. Étant donné que l'âme est dans le sang, Dieu a dit de ne pas consommer du sang. Est-ce que transfuser du sang, c'est une consommation de sang? Est-ce qu'on est en train de manger le sang? Juste, demande deux secondes, il y a un autre passage que je voulais trouver. Ok, j'ai trouvé mon passage. C'est bon, donc tu vois, voici un peu les différents passages sur lesquels les personnes s'appuient. Mais tu vas voir que Dieu ne dit pas à l'intérieur, il ne parle pas de transfusion. Il parle de manger le sang. Il parle de manger le sang et non pas de mettre le sang dans la veine. À l'époque, bien sûr, la méthode de transfusion de sang semble ne pas avoir été utilisée au moment où la Bible était rédigée. Ok? Alors, est-ce que le sang, l'âme, si je mets de l'âme, je transfère du sang à quelqu'un, je suis en train de lui transférer ma personne. Est-ce que si je reçois du sang d'autrui, je suis en train de participer à sa vie, recevoir sa mémoire et autres? Non. Pourquoi non? Parce que l'âme est une substance, est une présence spirituelle qui n'est pas matérielle dans le sang. L'âme est dans le sang, mais l'âme n'est pas matérielle. Ton âme n'est pas matérielle. C'est la vie qu'il y a dans ton sang. Donc la vie, c'est une substance, je veux dire, qui s'évade, c'est de la vie. Le sang n'est pas la vie. La vie est dans l'âme qui se trouve dans ton sang. Ok? Alors, quand par exemple, tu te blesses
et que tu as du sang qui coule sur la route, ton âme n'est pas sur la route. Quand tu t'es coupé avec un couteau, ton âme n'est pas dans le sang. Mais il y a une partie de toi. Quand mon corps me touche, là, il y a une partie de moi. Amen. Maintenant, si on doit parler donc de l'âme, on va lire d'autres passages. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce qu'un frère peut donner sa vie aux autres? Amen. Alors, je t'invite à ouvrir ta Bible avec moi et on va aller encore dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 13. Parce qu'aujourd'hui, à quoi servent les transfusions sanguines? Les transfusions sanguines servent à donner la vie aux gens. On va prendre du sang parce qu'on souffre d'anémie, parce qu'on manque de sang. Et quelqu'un qui manque de sang est sur le point de mourir. Il est sur le point de mourir. Alors, est-ce que je peux lui donner mon sang? La question qu'on se pose, parce qu'on s'est dit que si je lui donne mon sang, je lui donne ma vie. Et si je lui donne ma vie, je lui donne mon âme, etc. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Effectivement, quand tu sauves une vie, tu lui donnes ta vie. Quand tu donnes ton sang à quelqu'un, tu lui donnes ta vie, mais pas ton âme, pas ta mémoire, pas ton passé par la transfusion sanguine. Parce que dès que ton sang a coulé, ton âme reste en toi. Dès que ton sang est sorti, ton âme n'est pas éparpillée dans la ville. Ok? Si quelqu'un a eu un accident, il y a une mare de sang, on l'a blessé un couteau, son âme, il n'y a pas une partie de son âme qui est dans la ville, une partie qui est... Non. Voilà. L'âme est en toi. La source de l'âme, je vais te montrer, c'est le cœur. Amen. Bon. Ok. Jean chapitre 15, verset 13. La Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, Dieu veut qu'on donne notre vie. Maintenant, si tu regardes la vie, le sens, le mot grec qui est utilisé pour parler de la vie ici, c'est le mot psouché, qui est aussi traduit par âme. Ok? Le mot psouché est utilisé dans l'âme. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner son âme pour ses amis. Ok? 1 Jean chapitre 3, verset 16. 1 Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Et ici encore, la vie dont il est question, c'est psouché. Nous avons connu l'amour. Comment on a connu l'amour? En ce qu'il a donné son âme pour nous. Donc Jésus a donné son âme pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre âme, notre psouché, pour les frères. Alléluia. Amen. Donc si c'est de donner une partie de toi qui va permettre à quelqu'un d'avoir la vie, Dieu apprécie cela. Dieu apprécie cela. En termes de... j'ai oublié, j'avais noté même les statistiques, mais je les ai mis de côté. Le nombre de vies aujourd'hui dans le monde qui sont sauvées par les transfusions sanguines, c'est vraiment énorme. C'est des centaines de milliers, je crois que des millions de vies qui sont sauvées chaque année par des transfusions sanguines. C'est-à-dire des vies sont sauvées par des transfusions sanguines. Et on a évalué à peu près à des milliers de personnes qui meurent par an. Non, quand je dis des millions de personnes, c'est pas par jour, hein, mais c'est par an, pardon. Le chiffre, c'est par an. Des millions de personnes par an sont sauvées par le don de sang. Et ils ont la vie parce que quelqu'un a donné sa vie, a donné du sang. Alors, a donné du sang. De la même manière, ceux qui refusent, on estime à des milliers de personnes par an qui, dans des religions, qui refusent le transfert de sang, qui meurent parce qu'elles n'ont pas reçu du sang. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà. Et j'ai aussi donc cherché scientifiquement s'il y avait des études qui montraient que les hommes avaient reçu la mémoire. J'avais entendu ça auparavant, mais j'ai essayé de prendre le temps, puis j'ai fait vraiment des recherches. Peut-être que quelqu'un va m'envoyer l'étude, mais de toutes mes recherches, on dit qu'il n'y a pas d'études claires, probantes, scientifiques qui montrent que la mémoire, les émotions d'une personne ont été transférées par une transfusion sanguine. Par contre, ce qu'ils ont transféré, c'est ils ont permis aux personnes de vivre. Ils ont permis aux personnes de ne pas mourir, d'avoir la vie en elles. Et Jésus-Christ, le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons sauvés. Alors, parlons maintenant donc du sang de Jésus qui nous sauve aujourd'hui. Est-ce que c'est le liquide du sang de Jésus qui nous sauve aujourd'hui ou c'est la vie qui était dans l'âme, dans le sang de Jésus qui nous sauve? C'est l'âme de Jésus qui nous sauve.
Ce n'est pas le sang physique, parce que le sang physique, le sang matériel est resté sur la croix. Ok? Donc aujourd'hui, quand je dis je suis sauvé par le sang de l'agneau, je suis sauvé par l'âme de Jésus, mais maintenant, je vais faire référence, non pas à la substance physique matérielle qui est transfusée lorsqu'on transfuse le sang, mais à la vie de Jésus, à son sang par lequel je suis sauvé, par lequel je suis sauvé, mais je ne veux pas aller chercher des gouttes de sang physique de Jésus pour venir faire des transfusions. Donc quand nous parlons du sang de Christ qui nous donne la vie, nous parlons de sa victoire, de son âme, nous parlons de cela. Il n'y a pas besoin d'utiliser le sang physique. Donc il y a une différence entre le sang physique et la vie de l'âme. Ok? Il y a une différence entre les deux. Ce n'est pas pareil. Voilà. Et c'est ce qui nous sauve. Et cette substance-là de la vie qui se trouve dans le sang n'est pas transférée parce que n'est pas transféré, c'est-à-dire ta mémoire, en fait, tout ce qu'on peut citer, ton caractère, ton tempérament, ne sont pas transférés. Ton tempérament, ton caractère disparaissent lorsque tu es, lorsque tu meurs. Ok? Voilà. Amen. J'espère que la réponse t'a plus ou moins éclairé là-dessus. Donc, il y a une différence entre la vie divine qui est en nous, la vie divine qui est en nous, la vie, le tempérament, etc., et le sang. On a la substance physique du sang et on a la substance spirituelle du sang. C'est la substance spirituelle du sang, la substance qui n'est pas matérielle du sang, qui transporte ses informations de mémoire, etc. C'est la substance qui n'est pas matérielle. Ce que nous donnons aux gens lorsque nous faisons une transfusion sanguine, c'est le sang matériel. Le sang vit qui transporte la substance qui nous est propre demeure en nous, elle ne va pas chez l'autre. Auquel cas, chaque fois que mon sang allait couler, c'est une partie de moi. C'est vrai que c'est une partie de moi, mais c'est comme si mon caractère est un peu parti aussi. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que par exemple, le couteau t'a coupé, s'il y avait la patience dans ton sang, la patience est par terre dans la ville. La patience n'est pas par terre, la patience est restée en toi. Si ton âme était courageuse, ton courage est parti. Donc après avoir perdu du sang, non. Peut-être que c'est le traumatisme de l'accident qui va te créer de la peur. Mais ce n'est pas les gouttes de sang qui ont coulé. Et c'est quelque chose que tu peux réadapter, tu peux te remotiver. Parce que la substance dont il est question n'est pas le sang matériel. Lorsqu'on transfère du sang, on est là. Par contre, Dieu nous dit de ne pas manger le sang. De ne pas manger le sang. C'est différent de sauver des vies, de donner, d'aider des personnes. Dieu a dit qu'on doit donner nos vies pour que des gens soient sauvés. Il nous exhorte à donner nos vies pour que des personnes soient sauvées. Alors de là, on va toucher des points sur est-ce qu'on peut transporter, donner des organes. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Okay? Mais je conçois, comme la Bible ne s'est pas prononcée clairement, littéralement là-dessus, qu'il y ait d'autres approches qui soient trouvées dans la parole de Dieu. Il faut savoir à la lecture, à l'analyse de la parole de Dieu, qu'est-ce que votre conviction vous dit? Que dit la parole de Dieu pour moi? La lecture de la parole de Dieu, il y a une différence entre la substance spirituelle du sang que nous utilisons aujourd'hui pour la vie de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Ce n'est pas le sang physique de Jésus que nous utilisons, avec lequel nous marchons. Il y a une différence entre les deux. Et c'est la substance spirituelle qui est la plus importante, qui transporte l'élément de victoire. Et quand je transfère mon sang physique, je ne transporte pas toutes ces informations-là, mais je transporte la substance physique. Ok? Avec les globules, puis tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Que Dieu te bénisse abondamment, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Ah, c'est vrai, quelqu'un qui m'a posé la question aussi parallèlement, à savoir, mais les gens peuvent prendre notre sang pour nous envoûter, pour faire des pratiques mystiques avec ça. Oh, c'est pas seulement le sang, hein. Les gens, si même un habit t'a touché, les gens peuvent prendre ton habit, les gens prennent des vêtements, des sous-vêtements des personnes pour les envoûter. Les gens prennent les cheveux des gens pour leur lancer des sorts. Mais si vous voulez rentrer dans la victoire de Jésus, et ça je vais le toucher, je vais commencer à rentrer là-dessus les messages suivants. Ok? On va parler de pratiques prophétiques qui sont des séductions. Hein? Comme je suis en train de parler des songes et des visions, des rêves, je vais te montrer un passage tout de suite. Comment, par le faux ministère de la prophétie, on peut voler l'âme d'autrui. Je te donnais des versets là-dessus. On peut voler l'âme d'une personne. On peut détruire la vie d'une personne. On peut amener une personne par une fausse révélation, par une fausse prophétie. Pourquoi c'est très important pour toi d'être
d'avoir la victoire sur les séductions. Donc, les gens vont venir parce que, bon, j'ai entendu récemment des personnes qui sont là qui disent, bon, voilà, quand tu es né, il y a des combats spirituels à mener. Les gens ont pris tes cheveux, quand tu vas chez le coiffeur, ils ont pris ton cordon. Est-ce qu'il y a de la magie autour de ça? Là, c'est une autre question que je réponds. Est-ce qu'il y a de la magie autour de ça? Oui, il y a de la magie. Est-ce qu'il y a de la sorcellerie autour de ça? Oui, ça existe. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un sort parce qu'il a pris mon pantalon? Oui, parce que mon pantalon porte mes empreintes. De la même manière, quelqu'un peut me lancer un sort, peut essayer de lancer un sort, peut essayer, parce qu'il a pris des gouttes de sang. Mais est-ce que ça va m'atteindre? Non. Ça ne m'atteindra que si je me laisse attirer par la peur, si je suis craintif, je serai atteint. Mais si je sais en qui j'ai mis ma confiance, il prend mes cheveux là-même transportent l'onction. Alléluia, ça va aller chez, ça va aller brûler. Si tu as la foi que tu transportes l'onction, moi je sais que mon habit qui est là. Vous savez qu'un habit, on retrouve les empreintes d'une personne. Donc si tu as pris et tu as mes empreintes, tu vas aller faire des pratiques avec ça. Mais mes empreintes là transportent l'onction aussi. Alléluia. Il faut que vous ayez une grande confiance dans la victoire que Jésus-Christ a acquise. Voilà. Il faut que j'ai une grande confiance dans la victoire que Jésus-Christ a acquise. Si vous perdez cette confiance, vous êtes manipulable. La sorcellerie existe. La magie existe. Est-ce que les gens prennent ce genre de choses-là pour envoûter? Oui. Mais est-ce que je suis vulnérable? Non. Si je mets ma confiance en Christ, dans le sang de Jésus, je ne suis pas vulnérable. Leurs flèches seront nulles et sans effet. Il y a 1 milliard de moyens de lancer des sortilèges. Il y en a 1 milliard. Il y en a infiniment. Mais ça ne veut pas dire que je suis vulnérable. Et ça ne vaut pas la peine d'aller faire beaucoup d'études partout. Ok. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la faveur divine soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Tu es béni dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Alors maintenant, on va se plonger dans l'enseignement de la parole. Et puis n'oublie pas, les mardis prochains, on va toucher quelques aspects prophétiques qui effraient des personnes et qui amènent des chrétiens à être très vulnérables. Et c'est là que vous devenez envoûtables. Je l'ai été, j'ai été manipulé, j'ai été moi-même envoûtable et envoûté. Envoûté parce que je m'étais fié à un certain nombre de prophéties qui m'avaient fait perdre ma propre confiance dans le Seigneur. Et j'avais commencé à mettre ma confiance dans les révélations d'autrui. Au lieu de mettre ma confiance dans la parole de Dieu, j'ai été donc envoûté. Mais Dieu, dans sa miséricorde, m'a fait sortir de là. Et je prie que ces enseignements qui viendront par la suite puissent aider plusieurs à sortir. Je prendrai un ou deux mardis là-dessus simplement pour traiter cela. Bon, ça fera le jeu d'annonce. Ok, que Dieu te bénisse abondamment. Donc, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur les rêves. Et je toucherai même déjà quelques aspects des prophéties qui nous, des révélations de demi-prophéties qui viennent pour voler nos rêves. Sois béni. Donc, juste avant que je réponde à cette question, on va revisiter l'accomplissement de certaines prophéties parce que j'ai des sujets de prière à te donner sur ce sujet avec l'instant prophétique pendant que je m'installe avec mes invités pour notre formation. Soyez bénis, instant prophétique. Et nous sommes transportés par l'Esprit jusqu'au mois d'avril. We're carried to the month of April by the Spirit. Et l'Esprit me montre un grand scandale du côté de l'Amérique. Je crois que c'est les États-Unis. And there's a huge scandal in the United States. Un grand scandale qui secoue la nation. A huge scandal that shakes the nation. Un grand scandale. A huge scandal that shakes the nation. Qui secoue le pays. It shakes that nation. Notre grand titre ce matin aux États-Unis, c'est révélations du Washington Post qui permettent maintenant d'en savoir un peu plus sur l'origine des fuites de documents américains classés top secret et sur l'homme à l'origine de ces fuites. OG travaillerait sur une base militaire américaine, joueur en ligne. Cela ferait plus de 3 ans qu'il divulgue à ses amis gamers des documents classifiés sur la plateforme Discord. C'est peut-être un début d'épilogue pour ce scandale qui a mis la Maison-Blanche, le Pentagone, mais aussi concrètement tous les services de renseignement américains sans dessus dessous ces derniers jours. Et nous sommes transportés par l'Esprit jusqu'au mois d'avril. We're carried to the month of April. L'Esprit lève mes yeux. The Spirit opens my eyes over the United States. Et je vais du côté de l'Asie. And now I go to Asia. Et un géant risque de tomber. And a giant might fall. Tentative de meurtre. Attempt, murder attempt. Tentative d'assassinat. A murder attempt, assassination attempt. Un mouvement de panique, une interpellation, suivi d'une explosion. La scène s'est produite alors que le premier ministre japonais s'apprêtait à faire un discours dans l'ouest du pays.
Fumio Kishida a été évacué sain et sauf tandis que la police plaquait au sol un suspect. L'homme aurait lancé ce qui ressemble à une bombe fumigène selon les médias locaux. L'incident survient 9 mois seulement après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe. Vous avez vu, quand vous lisez l'histoire de Sodome et Gomorre, la Bible nous dit que des plus petits enfants jusqu'aux plus grands, tout le monde était parti demander après les anges pour abuser des anges. C'est une image de comment le monde sera avant la destruction par le feu. Bonjour, représentant d'État Peter Barlow et représentant d'État Chris Corey. Nous venons juste de sortir de la rencontre de la Chambre. Aujourd'hui, c'est le mercredi et il est approximativement 22h30 et nous venons de sortir d'un débat sur un projet de loi controversé. On a eu à débattre pendant 3 heures sur ce projet. Effectivement, le projet de loi 5599, ce projet accorde une exemption à l'État de sorte à ce qu'elle ne soit pas obligée de notifier les parents dans le cas où les enfants seraient partis dans l'objectif de rechercher un soutien médical ou bien une assistance médicale. Et cela vise à détruire les droits parentaux dans l'État de Washington. Ce que ce projet vise, si cela est accordé, c'est que ça permettrait à l'enfant, lorsque celui-ci quitterait ses parents, pour avoir recours à une assistance médicale, et s'il devait aller vers un refuge ou une famille d'accueil, ce refuge ou bien cette famille d'accueil ne serait pas dans l'obligation de notifier les parents de l'enfant. Notifier les parents quant à là où se trouve l'enfant. Bien évidemment, c'est une violation fondamentale des droits parentaux. Et cela est une grosse cause de soucis pour les parents partout dans les États. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le mardi prochain, on va montrer des exemples de des prières qui sont exaucées. OK? Alors, pourquoi ces prophéties-là sont importantes et pourquoi doit-on prier en fonction des prophéties. Je reviens sur les prophéties, pas simplement pour vous montrer que faut sortir du combat du genre « Ah, Pasteur Zanogo a vu, c'est un prophète, il voit les choses avant qu'elles n'arrivent. » Voilà. Pour vous qui m'écoutez, qui suivez la formation, ne tombez pas vraiment dans comme si quelqu'un a fait un exploit particulier. Non. Les révélations viennent de Dieu. Qui peut se glorifier parce qu'on t'a donné, je ne sais pas, on te donne quelque chose, Dieu t'explique une chose. Est-ce qu'il y a une gloire à tirer de cela que j'ai vu, c'est moi qui ai vu, j'ai déjà prophétisé. Et j'en profite donc pour parler vraiment à ceux qui sont appelés, qui exercent le ministère de la prophétie. Prenons garde d'être séduits dans notre cœur par l'orgueil d'avoir dit des choses qui se sont réalisées. Ça ne veut rien dire. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui te donne une information, c'est le Saint-Esprit qui te la révèle et tu la livres. Donc préservons les cœurs, il faut préserver les cœurs, c'est un grand combat spirituel. Vous devez préserver votre cœur par rapport à ces révélations parce que ça va vous permettre au Saint-Esprit de vous orienter, de nous orienter vers les choses qui sont essentielles. Alors ces prophéties sur les nations annoncent de grands mouvements chrétiens. Ne vous focalisez pas seulement sur votre vie personnelle. La Bible dit, je vous exhorte, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, je t'exhorte avant toute chose à faire des prières pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ces prophéties sur les nations sont censées nous orienter dans l'intercession et dans la prière. N'oublie pas, tu es celle de la terre, tu es lumière du monde, pas celle simplement de ta famille, mais celle de la terre. La terre entière est ton champ d'influence par la prière, par le jeûne, par l'évangélisation. Alléluia. Amen. Alors, je disais que beaucoup de nos prières sont exaucées. On aura l'occasion de, je dis à même aux équipes, que l'instant prophétique mardi prochain puisse contenir vraiment les choses qui ont changé. Nos prières ont porté, par exemple, au pays comme les États-Unis. Il y a certes, dans certains États, des lois iniques qui sont prises, mais il y en a d'autres où on revient à ce que nous exhorte à faire la parole de Dieu. Il y a des États où on va refuser ce qu'on vient de voir ici en dernier. Et tout ça, c'est le fruit de l'intercession des chrétiens et de l'influence des justes au milieu de la nation. Donc, continuons de veiller à cela. La Bible dit que l'antéchrist va pouvoir totalement s'installer quand ce qui le retient aura disparu. Plusieurs eschatologues vont dire qu'il s'agit du Saint-Esprit, donc de l'Église. C'est possible que c'est leur retrait qui va entraîner à ce qu'il puisse se manifester. Alors, si c'est cela, tant que tu es encore vivant, ne permets pas, ne sois pas un sel sans saveur. Prions pour les nations. Dès qu'il y a une prophétie qui nous dit, il y a ceci, il y a cela qui est prévu,
on commence à intercéder. Quand on les voit s'arriver, on prie pour empêcher cela. Intéresse-toi au sujet qui concerne les peuples, les pays. Si tu ne peux pas agir physiquement, même si tu peux agir physiquement, il faut prier. Et si tu ne peux pas agir physiquement, il faut intercéder. Il faut particulièrement prier pour Jérusalem, pour Israël. Le psaume 122, le verset 6. Amen. Il faut particulièrement intercéder. Les guerres qui sont annoncées, les troupes qui sont annoncées, même la guerre d'Ukraine, dans le temps absolu, cette guerre-là va se déplacer. Donc, il va y avoir un bloc qui va se créer. Un bloc qui va se créer. Et qui vont se battre. Et ça, des prophéties l'avaient annoncé. Donc, le bloc du dragon contre le bloc de Europa, c'est-à-dire le monde occidental. Donc, ces deux entités-là sont en train de se battre. Et à l'issue de cette bataille, la dernière personne, ou bien le dernier groupe qui sera attaqué, ça sera Israël, ça sera Jérusalem, dans le but d'exterminer cela. Les hommes diront que derrière toutes ces manipulations et ces guerres se retrouvent des juifs. Derrière toutes ces manipulations se retrouvent des juifs qui manipulent, qui organisent ceci, qui organisent cela. Et les nations, après avoir affaibli, détruit certaines puissances occidentales, en fait, ils se mettront tous, pratiquement tous ensemble pour pouvoir faire disparaître Jérusalem. Parce que toutes ces choses qui sont en train de se produire dans le monde visent un objectif, c'est empêcher le retour de Jésus, c'est faire venir la perversion. Intercesseurs et intercesseuses, il faut prier, il faut chercher la face de Dieu, il faut prier pour les nations. Alléluia. Alors, pourquoi c'est important de prier pour Jérusalem? D'abord, le psaume 122, le verset 6, la Bible dit que notre paix dépend de la paix de Jérusalem. Et je redis ce passage que je vous avais lu une fois. Hein? Voilà, dans Romains chapitre 9. La Bible dit prier pour... Voilà, dans Romains chapitre 9. L'apôtre Paul dit une chose qui est très importante. Il dit ceci: je dis la vérité, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères, mes parents seront la chair, qui sont les Israélites, et à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Alors, je veux que tu remarques ça, le verset 5, il est dit. Qui sont les Israélites et à qui appartiennent la gloire. Ça leur appartient, la gloire leur appartient. Les alliances leur appartiennent. La loi leur appartient. Le culte leur appartient. Les promesses leur appartiennent. Les patriarches leur appartiennent. Et qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Bon, bref, si tu continues, etc., Dieu va t'expliquer. Il va t'expliquer. Tu peux aller au verset 10, au chapitre 10, au chapitre 11. Chapitre 11, il dit: je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham. Ça, c'est Romains 11, 1. De la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, car il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Moi seul je suis resté. Et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui donne-t-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, verset 5, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement dit, l'œuvre n'est plus qu'une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre à ce jour. Et David dit que leur table, etc. Et après, il va continuer. Au verset 25, je ne lirai pas, pour dire que ce reste d'élus dont il est question va venir au Seigneur. Et c'est alors que, pardon, ce reste des élus, des choisis par la grâce, nous devons prier pour leur salut. Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Parce qu'ils sont déterminants. Donc, la Bible dit que c'est ce peuple élu à qui appartient la grâce, les patriarches, les promesses, etc. Beaucoup de promesses qui nous concernent, qui concernent ta destinée, qui concernent les entreprises que tu veux que tu bâtisses, sont liées à
Israël. Alors, il ne s'agit pas pour toi de partir physiquement, forcément, aller faire de l'idolâtrie, aller adorer devant les idoles, devant les, le temple. Non, ce n'est pas ça. Il s'agit, amen, on n'adore plus Dieu physique, à Jérusalem ni en Samarie. On adore en esprit et en vérité. Donc, toi, tu peux le faire. Si tu veux aller là-bas, c'est faire des visites touristiques. Il n'y a pas de problème. Un peu comme tu vas visiter la France, tu vas visiter les États-Unis ou un autre pays. Il n'y a pas de problème. C'est bienvenu. Mais aller faire un culte en particulier, c'est dénier l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Mais prier pour le salut des Juifs, c'est une mission que Dieu nous demande. Prier pour leur salut, prier pour leur conversion, prier pour que ceux que Dieu a sélectionnés puissent se manifester, c'est une prière que nous devons faire, et je veux t'exhorter vraiment à cela à l'issue de l'instant prophétique. Je donnerai plus de détails, mais tu peux lire Romains chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, et tu comprendras mieux que beaucoup de promesses viennent de là. Israël, Jérusalem est la souche du christianisme. C'est un peu comme nous savons que nous devons honorer nos pères, ok? Ce n'est pas, c'était l'ombre des choses à venir, mais c'est le début de l'histoire du christianisme, et en tant que tel, nous savons honorer nos pères, nous devons savoir honorer en cherchant le bien d'Israël par leur conversion, par la bénédiction que nous apportons à cette nation. Donc les batailles, tout ce que tu vois qui est en train de se passer aux États-Unis, va servir à affaiblir tous les protecteurs d'Israël. Tous les protecteurs d'Israël, tous les hommes qui se battent pour la nation d'Israël au sein des Amériques, le diable va tenter de les faire disparaître. Mais derrière ça, Israël, elle est prémisse. C'est-à-dire que le fruit, c'est l'Église. Le fruit, c'est l'Église. Donc, ces différents mouvements-là sont en train de nous distraire. Pendant que tu vas rentrer en train de débattre et puis ne pas prier, et avec le travail aussi des faux prophètes là-dessus, l'Église va se détourner des choses essentielles. Elle va se détourner des choses essentielles et ça va nous affaiblir. Et l'ennemi pourra mieux s'étendre, mieux prendre le contrôle des enfants de Dieu. Que Dieu te garde. Sois un intercesseur efficace. Rejoins Prière 24, c'est là que nous prenons le temps d'intercéder pour ces choses. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, pour notre formation prophétique, j'ai deux invités. Nous avons un invité en ligne, un invité en présentiel. Notre sœur est toujours connectée. Je me demande combien d'MS elle a fait la manquer sur la tête. Elle est très rare. Ma fille Sandra, comment tu vas, Sandra? Je vais bien, papa. Je vais bien. Par la grâce de Dieu, je vais bien. Sandra de Abouassou. Abouassou, vase d'honneur Abouassou. Comment ça va Abouassou? Ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce, ça va. C'est pas évident, mais ça va. Dieu fait grâce. Mais en tout cas, je vois que l'église avance. Oui, évolue, l'église avance. Progresse. Avec le pasteur Ali, ça avance. Vous gagnez des âmes là-bas? Oui, oui, ça va. Amen. Et puis, est-ce qu'on peut voir celui qui est en ligne? Voilà. Alors, tu vas te présenter. Et moi, c'est le frère Iri Ebita Edoua. Ah, je t'entends pas, je l'entends pas, moi. C'est Iri Ebita Edoua, de la cellule de Trévise. Attends, reproche, je t'entends pas, mais Edoua? Oui, Iri Edoua. Iri Edoua, comment tu vas, mon fils? Je vais très bien, papa. Très bien. De la cellule de Trévise. De Trévise, en Italie. Oui, oui. Pronto. Bon, j'aime pas comment. Comment ça lui-même en italien? Bon, ciao. On peut dire ciao, alors on peut dire buongiorno. 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 Ok, ben, sois les bienvenus. Alors, vous deux, vous êtes des gens très connectés à l'école des prophètes, au MS Life. Amen. Amen. Alors, dis-moi, toi, tu es connecté depuis quand? Tu suis depuis quand? Depuis la première édition. Environ plus de 5 ans. Donc, je suis toujours connectée avec mon ordinateur, avec mon téléphone. Je fais tout pour être connectée, pour ne rater aucun MS Live. Amen. Et toi, je peux s'en prendre encore. Arnaud, non? Edouard. Et toi, Edouard? Bon, moi, depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Mais après ça, tu es vraiment connecté régulièrement? Si, parce que je suis toujours connecté. Ok, donc on a une ancienne et puis on a un nouveau. Ok. Alors, vous savez, vous deux, qu'en ce moment, on est beaucoup dans l'enseignement sur les rêves. On est dans l'enseignement sur les rêves, oui. Sur l'importance de songer des rêves. Aujourd'hui, on va aller vraiment, on va parler du combat des rêves. Amen. Mmh. Amen. Du combat dans les rêves, on va en parler. Amen. Mmh. Alors, pour traiter cela, j'ai demandé à plusieurs de nous envoyer des songes. OK? Amen. Donc, je vais vous inviter, Edouard et Sandra, amen, à lire des songes, à lire les songes que les frères et sœurs nous ont envoyés.
Alors, donc, vous aussi, n'hésitez pas sur YouTube, Facebook, là où il y a les chats. Vous pouvez écrire résumé, un songère que vous avez. Je vais de temps en temps jeter un coup d'œil. Et puis, si je reçois l'interprétation et l'instruction, je te la donnerai en même temps. OK? Donc, Sandra, tu vas prendre... Est-ce qu'Edouard peut avoir les songes? Oui, je les ai, pasteur. Tu les as, toi aussi, Sandra, tu les as? Non, je n'ai pas. Bon, d'accord, tu vas lire avec moi. Toi, Sandra, tu vas lire... Bon, Edouard, tu vas lire le songe numéro 1. OK. Voilà, et puis Sandra, tu liras le songe numéro 2. Donc je vais? Vas-y. Ok, rêve de couche où je n'arrive pas à dire non. J'étais avec un homme et nous avions des rapports sexuels. J'étais engagé dans cet acte. Mais j'ai commencé à me dire, Papa Sanogo a dit que c'est par l'impudicité que le diable prend nos grâces. Et quand je voulais arrêter, mais je n'arrivais pas. C'est comme si j'avais peur d'oser dire non. J'obéissais à tout ce que le démon voulait. Après, il s'est levé et s'est dirigé vers une clinique. C'était dans une maison. Et a pris une injection et a injecté ma cuisse. Je lui ai dit, injecte-moi aussi. Mais il ne m'a pas répondu. Je n'arrivais pas à bien marcher. J'étais devenu maigre et fatigué. Je craignais au-dedans de moi et en me lamentant pourquoi je n'arrive pas à dire non quand il vient. Sensation au réveil, souffrance. J'ai des couches. Ça, c'est quoi? C'est le deuxième? C'est le premier ou c'est le deuxième? Ah oui, sensation au réveil. Ok, vas-y. Bon, j'ai des couches de nuit depuis l'âge de 15 ans. Et cela arrive soit avant, pendant ou après mes règles menstruelles. Ou encore pendant ma période féconde. Mais la plupart des temps, c'est pendant mes règles menstruelles. Et c'est souvent très violent, me laissant avec des crampes au bas ventre. Et lorsque je me réveille, je suis très colérique et violent. Amen. Ok. Voilà, on va aller d'abord sur le premier songe. Sandra, tu as compris un peu l'histoire du songe? Oui, j'ai numéro 1. Edouard, toi, tu as compris un peu ce qu'elle a dit? Oui, pasteur. Alors, donc, voilà une sœur qui est, parce que j'en avais parlé la dernière fois, qui est sujet à des règles douloureuses. Elle a des règles douloureuses avec une attaque d'un esprit de mari de nuit qui vient sous plusieurs formes avoir des relations avec elle, très souvent pendant la période de ses menstrues, mais il peut venir aussi en dehors. Alors là, redonne-moi la fiche. Elle a fait donc un rêve en particulier qu'elle a envoyé. Donc elle a sa situation générale. Hein. Puis elle a fait donc un rêve en particulier qu'elle a envoyé dans lequel elle était avec un homme, donc certainement ce mari de nuit. Et ils avaient des rapports. Et elle était là-dedans. Et puis après, c'est comme si le message, la parole qu'elle entend régulièrement, elle dit, mais Pasteur Sanogo a dit que ça c'est l'impudicité et que par l'impudicité, on me voit les grâces. Et quand je voulais arrêter, mais elle voulait arrêter, mais elle n'y arrivait pas, c'est comme si elle avait peur d'oser de dire non. Donc, comme si dans le rêve, on lui avait volé sa force intérieure, sa volonté. Cher ami, ça paraît simple. Ici, en fait, il n'y a pas trop d'interprétation. Le songe est assez clair par lui-même. On est dans une catégorie de songe niveau 1. Donc ça se comprend par lui-même. Donc, elle subit une attaque et... Elle avait peur de dire non, j'obéissais à tout ce que le démon voulait. Donc ce qu'elle est en train de voir, et Dieu permet cela, donc elle se sentait donc contrôlée totalement. Elle sentait à l'intérieur qu'elle savait ce que, elle sait ce qu'elle sait. Tu sais ce que c'est que la parole de Dieu, tu te souviens du message qu'on a donné, mais tu te sens totalement affaibli. L'esprit a pris le contrôle de tes rêves. Ce démon a pris le contrôle de tes rêves. Aujourd'hui, on va combattre sur le plan spirituel. Et dans le nom de Jésus-Christ, vos rêves, vos âmes, vos rêves, votre destinée, les choses qu'il est en train de capturer à l'intérieur, vous seront restaurées. Amen. Et je vois beaucoup de personnes dont la vie conjugale, la vie maritale, ça ne concerne pas seulement les femmes, mais ça concerne aussi les hommes. Dieu te délivre aujourd'hui. Amen. Il en est ainsi dans le puissant et précieux de Jésus. Amen. Après cela, il s'est levé, il s'est dirigé vers une clinique, c'était dans une maison, et a pris une injection et a injecté sur sa cuisse. Je lui ai dit, injecte-moi aussi, mais il ne m'a pas répondu, je n'arrivais pas à bien marcher. J'étais devenu maigre et fatigué. Je craignais au-dedans de moi, me lamentant pourquoi je n'arrive pas à dire non quand il vient.
Ok? Mais en même temps, je peux dire à ma fille, à cette soeur, ton rêve te donne aussi une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Amen. Parce que tu as recommencé à prendre le contrôle de ta pensée à l'intérieur. Donc, tu peux mener cette bataille et la vaincre. Amen. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et impressionnant de Jésus. Maintenant, elle-même, en ce qui concerne l'expérience, elle précise que c'est depuis l'âge de 15 ans que cela lui arrive, depuis qu'elle a 15 ans. Je ne sais pas elle a quel âge aujourd'hui, mais en tout cas, ça date de plusieurs années. Et elle expliquait un peu les situations dans lesquelles elle se retrouvait. Donc voilà une atmosphère de combat spirituel qu'on va mener tout à l'heure. Mais je voudrais que tu comprennes comment ce combat-là doit être mené, comment est-ce que tu dois le mener, comment est-ce que tu dois le prendre. Alors, Amen. Donc, directement dans les sons, je vais sur les instructions, ok? Amen. On est vraiment dans la partie des instructions pour pouvoir reprendre le contrôle des rêves, des songes et des visions, amen. Ok? Amen. Amen, 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 amen. Amen. Ok, et puis on va aller, on va prendre maintenant le deuxième songe. On va prendre le deuxième songe et peut-être je relis le troisième. Brinda Larikata Rababrada Soria. Je lis la parole. Songe d'accouchement, mais dans la réalité, mariée depuis 2016 sans grossesse. Mm-hmm. Bonjour, apôtre Mohamed Sanogo. L'année du 6 au 7 avril 2023, j'ai eu à faire un rêve étrange. Je me suis vue dans une salle d'accouchement et ça s'était produit sans douleur. Je sors moi-même pour informer à mon époux que j'ai accouché et qu'il informe nos proches. Après, je me vois sur le lit d'accouchement, mais plus seule. Il y avait trois autres femmes qui étaient là aussi. Un parmi nous quatre a accouché et son enfant a pleuré. Quant à moi, la sage-femme me demandait de pousser. Mais lorsqu'elle a pris le drap pour accueillir l'enfant, je me suis réveillée. Mais à mon réveil, j'avais la sensation que cela était vrai. Je tiens à vous signaler que je suis mariée depuis 2016, mais jamais tombée enceinte. Je continue. Ça s'arrête là, son rêve? Oui, ça s'arrête là. Ok, gloire à Dieu. Amen. Alors ici encore, on a un rêve qui va expliquer une situation de combat spirituel. Donc on a une sœur qui connaît une situation de stérilité. Elle reçoit des rêves de Dieu, elle est incapable d'enfanter, mais Dieu va utiliser ce rêve-là, ce genre de rêve-là, pour montrer la guerre à l'intérieur. Donc, ma fille, tu dois récupérer ta capacité à enfanter dans tes rêves. Amen. Tu dois récupérer ta capacité à enfanter dans tes rêves. Amen. Tu dois mener une guerre spirituelle et récupérer ce qui est à toi. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais lire le dernier songe parce qu'en fait, tout ce que je dirai, ça sera en même temps. On va le traiter en même temps. Je lis le tout dernier. Présence constante d'un homme en blanc. Bonjour, je me permets de vous envoyer ces rêves qu'une amie m'a confiés. De l'âge de 5 à 7 ans, elle rêvait de manière répétée des tremblements de terre, le feu qui sort de la terre, et elle était toujours avec un homme en blanc qui lui parlait. Parfois, les tremblements commencent sous ses pieds et elle se retrouve perchée sur un peu de terre avec en bas du feu partout autour. Plusieurs personnes tombent, mais à aucun moment, elle ne se voit tomber dans le feu. Mais toujours, cet homme vient lui dire quelque chose. Généralement, après ce rêve, s'ensuit un autre, des personnes qui pourchassent d'autres personnes et qui les arrêtent pour leur donner quelque chose. Si les personnes refusent, elles sont tuées. Et comme elle est aperçue par ceux qui obligent les autres, elle court pour échapper et elle est poursuivie. C'est dans cette poursuite qu'elle se réveille. Elle a eu ce genre de rêve de manière répétée, au point où à certains moments, elle avait peur de marcher sur la terre, de peur de tomber si la terre venait à se fendre. Elle ne connaissait pas le Christ, ni aucun membre de sa famille. À cette période, elle a été abusée et dès lors, les rêves ont cessé. À 14 ans, elle rencontre le Seigneur et se fait baptiser. Depuis au moins quatre fois l'année, elle rêve qu'il y a eu enlèvement, mais qu'elle n'est jamais enlevée. Parfois, elle se voit après l'enlèvement marcher dans les rues, abandonnée avec un homme habillé en blanc et discutant avec elle et lui montrant l'état du monde. Elle est chrétienne actuellement, rétrograde parce que les choses ne vont pas bon train dans sa vie. Comment comprendre de tes rêves? Un détail, à chaque fois que quelqu'un a une prophétie pour elle, on lui demande de confesser un péché, alors qu'elle dit qu'elle a tout confessé et qu'elle ne sait plus quoi confesser. Amen, amen, amen. Amen. Ok, amen. Alléluia. Amen. Alors, ce dernier son, je l'aime aussi en particulier, je l'aime vraiment,
parce que il traduit la guerre. C'est-à-dire que vous avez vraiment dans le rêve Dieu, une visitation divine depuis son enfance, plus parler de son appel, et puis la peur qui est dans son âme, qui fait que, en fait, en quelque sorte, il y a des gens qu'elle doit aller aider. Des gens qui sont en détresse dans le rêve, il y a des gens qu'elle doit aller aider. Elle doit aller aider des personnes dans le rêve. Mais elle a trop peur, elle a peur, et la peur qui l'envahit l'amène à s'échapper, l'amène à fuir. Voilà. Donc la peur va disposer beaucoup de choses, elle va connaître l'abus. Elle-même va dire, donc, dans le truc, que les songes-là ont disparu parce que les rêves lui avaient été volés. Bref, elle a été volée par quoi? Par l'abus, ok? Ça a été volé par quoi? Par l'abus. On lui a volé les rêves. Et donc, ça fait difficilement des choses qu'on arrive à mettre en place. Amen. Amen. Et puis, on va aller voir encore, j'allais oublier ce rêve-là. Voilà. Bon, lui, je le prendrai plus tard parce qu'il va expliquer. Ok, il va expliquer. En fait, je vais le traiter. Je vais l'utiliser plutôt dans les solutions. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ça va bien passer. Toi, tu as des rêves de combat? Oui, un rêve de combat, je peux le dire. Mm-hmm. J'étais confrontée à un défi professionnel depuis des années. Mon mari, les jeunes, les prières et autres, là, il n'y avait pas de solution. Et c'est comme ça que j'ai fait un songe. Dans le songe, je suis en train d'aider maman Lily à faire la cuisine. Et quand je l'ai aidée, j'ai fini, je suis rentrée. Et à mi-chemin, je me suis rendue compte que j'ai oublié le trou de mes clés chez elle. Donc je reviens sur mes pas, et puis je trouve le passé Salungo assis dans son fauteuil. Il dit, papa, si je viens te voir, j'ai oublié mes clés, si je viens les récupérer. Donc il me remet mes clés, puis on cause, et puis je rentre. Et quand je me lève le matin, je dis, waouh, quel songe. Je me dis que ce songe-là... Parce que littéralement, on dit, lorsque tu vois un homme de Dieu dans un songe, une autorité, c'est le gage d'un exaucement. Donc je dis, ça là, quelque chose va se passer. Donc je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je faire? Je me mets à cœur de faire une offrande au Seigneur, une offrande au pasteur. Je dis, pasteur Sanogo, quelle offrande je peux lui donner? Quelle offrande je peux lui donner? Et puis le pasteur Sanogo est tellement pris, à quel moment je vais quitter à boire, venir voir le pasteur, comment je vais faire? Je dis, Seigneur, aide-moi. Et Dieu, par ta grâce, a permis que je puisse le rencontrer. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai fait une offrande de foi. Une offrande de foi. Parce que les ressources étaient vraiment amenuisées. Une offrande de foi. Et quand il a prié pour moi, au bout de quelques semaines, la porte qui semblait infranchissable, la porte qui semblait scellée, s'est ouverte avec fracas. Et je suis rentrée. Je ne m'y attendais pas. Je me dis. Et tu as trouvé le travail? C'était un redéploiement, en fait. J'étais chez le ministère. Donc, c'était compliqué. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Gloire à Dieu. Ça s'est fait. Donc, c'est ma maudite somme, en fait, mon offrande de foi qui a ouvert les portes. Et puis, j'ai obéi à l'instruction. Si je ne l'avais pas fait, si j'avais manqué de foi, je serais encore dans ma même situation. Voilà. Amen. Amen. Elle aussi, on a le cas vraiment d'une instruction qui lui a donné la victoire. Ça, c'est un bon rêve. Amen. Amen. C'est Amen. Un bon rêve. OK? Alors, pour entrer dans les explications de tous les rêves de combat dont on a parlé tantôt, ici, vous avez le cas de Sandra, qui est un rêve positif. C'est un rêve positif dans le sens que les projets que Dieu a pour toi, la Bible dit clairement dans le livre de Proverbes, les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Amen. OK? Amen. Mais comme vous l'avez vu, beaucoup de personnes ont des songes. Vous savez, je vois très rarement des gens venir parler des songes de victoire. Amen. Les gens, lorsqu'ils parlent, ils parlent de songes de combat. Ils parlent de songes de réalité difficile. Mais il y a très peu de gens qui voient dans des rêves l'influence qu'ils auront sur la terre, sur leurs enfants. Ils ne voient pas, ils voient. Donc c'est comme si les rêves sont toujours des avertissements, sont toujours des menaces, sont toujours des combats. C'est ça. Écoutez, ce n'est pas anodin, ce n'est pas simple. Ce n'est pas que Dieu ne t'envoie pas des rêves. La plupart d'entre vous, Dieu vous envoie des rêves. Amen. Mais l'ennemi a fait que vous les avez oubliés. Parce que si le rêve n'est pas installé, il est difficile que les choses se mettent en œuvre. Amen. Amen, amen, amen. Amen. On va lire... Édouard, tu vas prendre... Oh, ben attends.
On va lire 1 Rois chapitre 3. À partir du verset 5. Oui, on va commencer à partir du verset 4. Édouard, tu vas lire du verset 4 jusqu'au verset 5. 1 Roi chapitre 3, verset 4 à 5. Et puis Sandra, tu vas lire du verset 7 au verset 12. On y va. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 3. Verset 4. Verset 5. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur ce autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Donc notez bien, il lui apparut en songe. Dieu vous apparaît en songe. Alléluia. Oui. Amen. À Salomon pendant la nuit, Dieu lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Amen. Amen. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu. Attends. Tu as lu jusqu'à quel verset? Vas-y jusqu'au 6. Lis le 6. Okay. Salomon répondit: tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur ton trône, comme on le voit aujourd'hui. Amen. Amen. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'espérance. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu le dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Amen. Et puis, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, etc. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on va revenir sur l'image du songeur. Ben. Amen. 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 Alors, je te fais remarquer que c'est dans un songe que Dieu a donné à Salomon la sagesse, la richesse, l'intelligence. Donc, les changements. Quand tu rêves, Dieu te donne des choses. Amen. Job 33, 14 nous dit: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Amen. En fait, Dieu parle et il va donner donc dans la suite de Job chapitre 33 ce qu'on étudie depuis le début. Il va donner des avertissements, il donne des instructions, et puis il dit, il met le sceau à ses instructions. Amen. Il utilise les songes pour nous faire sortir des trous, Amen. Pour nous faire sortir des dommages, Amen. Pour nous guérir, pour Amen. Nous restaurer, Amen. Pour nous conduire sur la voie. Amen. Donc le songe n'est pas une simple image banale. Amen. On a lu aussi dans le livre de Genèse chapitre 37 que la raison pour laquelle les frères de Joseph avaient décidé, sous l'inspiration du diable, avaient choisi le dessein de tuer Joseph, la raison pour laquelle c'était les songes de Joseph. Ils disent clairement: voici le faiseur de songes, venez, tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et je t'avais fait la remarque qu'ils avaient plusieurs griefs contre leur petit frère Joseph. Entre autres, il était le préféré du papa, il avait celui qui avait les tuniques et il était celui qui rapportait leurs mauvais propos à leur père. Donc ils avaient beaucoup de raisons de lui en vouloir, mais pour toutes ces autres raisons-là, il ne lui en voulait pas. C'était les rêves qui étaient pour eux un élément gênant. Tes rêves et les visions que Dieu veut t'envoyer sont pour, sont pour le diable un élément gênant. Amen. Et si tu vois dans ton rêve, tu vois ton mariage, tu vois tes enfants, tu vois ta destinée, tu vois beaucoup de choses, ces choses-là sont, pendant que tu les vois, elles sont en train d'être téléchargées. Amen. Et elles vont venir à l'accomplissement. Amen. L'ennemi, par des attaques comme les attaques de Marie de nuit, par certaines attaques, va essayer de récupérer cela. Ça, c'est le cas
de la sœur qui se voit en train de vouloir enfanter et qui voit qu'il y a un combat contre son enfantement. Qui voit qu'il y a un combat contre son enfantement. Mais dans le songe que tu as donné, ma fille, il y a à l'intérieur aussi la période dans laquelle Dieu va accomplir la promesse. Et quand Amen. Je vais finir de prier, je vais déclarer. Amen. Et dans les 4 mois qui vont venir, tu Amen. Vas prendre une grossesse. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Tu as vu un signe à l'intérieur qui te montre le temps où Dieu veut accomplir cette prophétie. Amen. Et ça sera libéré dans ta vie. Ça, c'était le deuxième songe qu'on a vu Amen. Tout à l'heure. Il y avait une date là-dedans. Amen. Il y avait Amen. Une période là-dedans qui te sera favorable. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, cette femme attend un accouchement, mais elle n'arrive pas. Et elle voit, elle avec truc, les gens la regardent, les autres accouchent, mais elle, pour elle, ça ne vient pas. Mm-hmm. La sage-femme se met là pour vouloir recueillir l'enfant, mais l'enfant n'arrive pas et puis elle se réveille. Mm-hmm. Donc, tu vois que ton rêve là est combattu. Tu vas Amen. Rentrer dans ton rêve aujourd'hui, dans le Amen. Nom de Jésus-Christ. Et puis aller achever, Amen. Aller accoucher. Amen. Alléluia. Amen. C'est un songe que Salomon a vu qu'il Amen. Allait être riche. Et Amen. Dans le monde réel, il était riche. Amen. C'est un songe qu'il a vu qu'il allait avoir une grande sagesse. Amen. Et dans la réalité, il a acquis cette grande sagesse. Amen. Le songe va orienter tes pas. Amen. Alors, comme je disais tantôt, beaucoup de personnes ont des rêves importants de leur destinée, mais ils ne s'en souviennent pas. À cause de la guerre des rêves, Satan fait tout pour pouvoir faire envoler et pour pouvoir faire disparaître ses rêves. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen, 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 amen. 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 Alors, allons détruire aujourd'hui les voleurs de rêves. Amen. Les voleurs de rêves. Amen. Alors, la première des choses pour pouvoir avoir la victoire dans un rêve, c'est de reprendre le contrôle. Wow. C'est de reprendre Amen. Le contrôle. Wow. Amen. Wow. De reprendre le contrôle des rêves. C'est-à-dire que de ne plus subir les rêves. En effet. Tu as remarqué que dans le songe de Salomon, il était en train de discuter avec Dieu. Mm-hmm. Tu vas remarquer que dans les visions d'Abraham, où Dieu lui dit, regarde les étoiles, vision, les enfants seront nombreux. Abraham a l'occasion d'échanger avec Dieu. Mm-hmm. Tu vas te rendre compte que lorsque Dieu veut sauver les païens, les non-chrétiens, Dieu vient, il accorde une vision à Pierre Amen. Et Pierre a le temps d'échanger avec Dieu. Donc ce sont Amen. Les gens, les personnes qui avaient le contrôle de leurs rêves. Amen. Tu vas te rendre compte que, Jacob, il fait un songe dans lequel on lui parle de comment est-ce qu'il va restaurer ce Amen. Que son oncle Laban lui a volé. Amen. Mais tu vois que ce songe-là, il y a un échange qu'il y a ouais. entre lui mm-hmm. et puis l'ange qui lui envoie le songe. Donc ces gens-là ont une forme de contrôle. Oui. La plupart des rêves où l'ennemi vous contrôle, ce sont des rêves que vous subissez. Ce sont des rêves que vous subissez. Vous constatez qu'un mari de nuit est là, vous constatez qu'un sorcier vous a poursuivi, vous réveillez le matin, parce que j'ai fait un cauchemar. Et tu rêves à des choses qui n'ont rien de bon, qui te disent rien de bon dans la vie. Ça veut dire que tes vrais rêves te sont volés. C'est ça. Les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix. Amen. Ce sont des projets de... Donc, où sont les rêves de projets de paix que tu as? En tout cas. Où sont ces rêves-là? Où sont ces rêves des grands projets que Dieu a pour toi? La Bible dit que quand un peuple est sans révélation, sans vision, il est sans frein. Il est sans frein. Ça veut dire qu'il va à gauche et à droite. C'est ça. Quelle est la révélation qui te concerne? Qu'est-ce que Dieu dit de ta vie? Amen. À quel moment il télécharge les choses qui viennent en toi? Amen. Ok? Amen. Il faut que tu reprennes le contrôle. Amen. Alors, l'ennemi va faire ceci. D'où les rêves de mari de nuit, les rêves de trucs. Parce que le mari de nuit, il a le contrôle sur... ta vie. En tant que soi-disant mari, il a le contrôle sur ta vie. Mais aujourd'hui, Amen. On va faire des dégâts dans le camp de l'ennemi. La délivrance aujourd'hui. Oui, tu seras délivré. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Tu la connais déjà, hein? Mais je vais te l'expliquer sous différents angles. Il n'y a rien de nouveau. Amen. Tout est déjà écrit. Amen. Ok? Amen. Alors, donc on se rappelle donc de notre dormeur avec les 3 levels de songe et du sommeil, donc. Et le songe, l'endroit où Dieu nous envoie les rêves de destinée, les rêves les plus importants, c'est le level qui est en blanc, qu'on appelle le profond sommeil. Dieu parle par des songes et par des visions lorsque l'homme est plongé dans le sommeil, qu'il est profond par rapport aux 2 autres niveaux qui sont là. Il est en dessous. C'est à partir de là que Dieu crée la femme de Adam. Car Amen. Il est dit de Adam qu'il a été plongé dans un profond sommeil. Job 33, 14, Dieu nous parle Amen. Pendant qu'on est plongé dans ce sommeil-là qui est profond. Amen. C'est pour ça que quand Adam se relève et qu'il voit Ève, il dit cette fois-ci, voici celle qui est chère de ma chair. Or, l'expression cette fois-ci est une expression de reconnaissance. Où l'avait-il vu la première fois? Il l'avait vu ici. Amen. Donc, pour pouvoir amener
quelque chose qui n'est pas encore dans ta vie à se réaliser, Dieu va envoyer la chose dans tes rêves. Le rêve du profond sommeil est le passage du monde invisible, des plans de Dieu vers toi. Amen. Alléluia. Amen. Il vient, il se révèle en songe à Jacob en lui montrant une échelle où les anges montent et descendent sur Bethel, qu'on appelle donc la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, il y a le volet donc de l'âme et du corps qui peuvent être des terrains favorables à l'ennemi. Ok? La Bible dit, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Donc, si le Saint-Esprit veut que tu réussisses dans les finances, lui, il va prendre un autre chemin, il va vouloir la pauvreté. Ok? Parce que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit afin que vous ne fassiez pas. Ils sont opposés. Amen. Donc, quand l'esprit va à gauche, la chair va à droite. Quand l'esprit veut aller à droite, la chair veut aller à l'opposé. Et comme étant donné que la chair et le sang sont capables de donner des songes, ils sont généralement donc des terrains favorables. Donc, ils vont vous donner plutôt les songes du peur. Donc, au lieu de voir ta victoire, tu vas voir la défaite. Et si la peur t'envahit, ce n'est pas la victoire qui va t'arriver, c'est la peur qui va finir par prendre, par se réaliser. En effet. Car le rêve finit par se réaliser. Le rêve finit par se réaliser. Et les rêves où tu vois que quelqu'un te marie, quelqu'un a régulièrement des rapports, c'est ce qui va se passer dans la réalité. Étant donné qu'il est ton mari dans le monde invisible, mais dans le monde matériel, physique, tu n'arriveras pas à te marier parce que tu es déjà occupé par quelqu'un. Ou si tu te maries, mais il y aura une dispute des palabres récurrent entre cet esprit-là et ton conjoint ou ta conjointe. Ce n'est pas forcément les femmes qui sont confrontées à cela. Donc, je veux que les choses changent au moment de rire. Je veux avoir un enfant, je veux réussir dans la vie. Amen. Je veux pouvoir me souvenir de ce que Dieu m'a dit, de qui je suis en fait. Amen. Qu'est-ce que Dieu m'a envoyé dans mon profond sommeil. Que dois-je faire? Pour cela, je dois prendre le contrôle. Je dois prendre le contrôle. Je dois reprendre le contrôle de mes songes. Amen, 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 amen. 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 Alors, à quel moment est-ce qu'un homme perd très souvent le contrôle de ses rêves? À quel moment on perd le contrôle de ses rêves? Alors, on perd le contrôle des rêves lorsque, émotionnellement, parce que c'est le terrain d'accès du diable, on est brisé, on est broyé, ou on a vécu des événements assez dramatiques qui coince notre système de pensée et qui nous embrouille ici. On va parler des forteresses, on va parler des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Hein? Hébreu, pardon, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4. Alléluia. Amen. 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 1 Corinthiens 10, verset 4. Oui, celui qui trouve... Ok, j'ai trouvé. Vas-y. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Pardon, je manque de... 2 Corinthiens 10, 4. 2 Corinthiens 10, 4. Ah, d'accord. C'est moi qui me suis trompé. 2 Corinthiens 10, verset 4. Oui. Ok, bon, je lis la parole. Car les âmes avec lesquelles nous combattons... Car les armes... Avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Attends, commence au verset 3 alors. Si nous marchons dans la chair... Si nous marchons dans la chair... Nous ne combattons pas selon la chair. Voilà. Donc, si nous marchons dans la chair, tous les jours de ma vie, là, je marche dans mon corps. Mais Dieu dit, quand c'est pour faire la guerre... Amen. On ne se bat pas ici. La bataille n'est pas là. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Cette guerre-là, tu dois la faire quand tu n'es pas dans un corps, dans ton corps physique. C'est-à-dire au moment où tu es en esprit, c'est-à-dire dans ton sommeil, tu dois aller faire. La guerre est sur le plan spirituel. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Amen. On continue. Car les âmes, avec lesquelles... Avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Par la vertu de Dieu. Pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Donc nous combattons quoi? Amen. Nous combattons ce qu'on appelle les forteresses. Les forteresses. Ce n'est pas des forteresses physiques. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte vivement à vous procurer le livre du pasteur Yvan. Amen. Sur renverser les prisons intérieures. Amen. C'était très puissant livre, Amen. Qui parle de ces forteresses-là.
Ok? Amen. Les forteresses, c'est quoi les forteresses? Vous savez, les forteresses, c'était des forts, donc des grandes murailles qui empêchaient des personnes de prendre le contrôle. Ceux qui gèrent les forteresses sont ce qu'on appelle des hommes forts. Des hommes forts. Jésus décrit ce qu'on appelle un homme fort. Il dit, si tu veux prendre quelque chose dans la maison d'un homme fort, tu dois d'abord le lier auparavant. Enfin. Donc, la vie des personnes, ta vie peut être tranquille, mm-hmm. tant que tu n'as pas pris le temps de traiter avec l'homme fort. L'homme fort, c'est le patron de la forteresse. Les hommes forts dont il est question dans le Nouveau Testament sont les patrons des forteresses. Et la Bible dit, Dieu dit clairement que le combat que nous livrons n'est pas un combat charnel, mais c'est un combat contre des forteresses. Et on continue. J'ai une question. Termine la phrase d'abord. Ok. Mmh. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements. Donc ici, l'apôtre Paul dit que un raisonnement est un système de pensée. C'est une logique de pensée. Okay. Je peux dire, parce qu'il y a ceci, mm-hmm. parce qu'on m'a fait ceci, voici comment je vais réagir. En effet. Ok? Donc, mon système de pensée est corrompu. Okay. Mon système d'analyse, de jugement est corrompu. Et c'est là le premier grand combat. Mm-hmm. Il est arrivé des choses dans votre enfance, mm-hmm. dans votre vie, qui a corrompu votre raisonnement. Okay. C'est à partir de là que vos rêves sont enfermés dans une prison. Wow. Les rêves, wow. Ça dit que, parce que la forteresse est dans l'âme. En effet. Dieu vient et télécharge. Mm-hmm. Intelligence, géant. Sagesse. Marié, sagesse, tout ça. Là. Mais la forteresse dit, je te tiens à l'intérieur, tu ne sors pas. Et puis tout ce que Dieu t'envoie, ça ne rentre pas. En effet, ça ne rentre pas du tout. Qu'aujourd'hui, Dieu renverse amen. Les forteresses dans le nom amen, de Jésus. Amen, amen, amen. Les armes avec lesquelles tu vas combattre sont des armes spirituelles. Et elles sont puissantes. Et on va les utiliser. Alléluia. Amen. Donc, c'est un ensemble de systèmes de pensée. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens n'arrivent pas à rêver. En effet. Même physiquement, ça soit comme ça, et puis dire, dans la vie, je gagnerai les nations, mm-hmm. je vais toucher les âmes, je vais réaliser ceci pour Dieu. Les gens expriment des souhaits, mais pour que ça devienne des visions, des rêves, réalité. Ça s'installe difficilement. Parce qu'il y a un problème ici avec les forteresses. Et dit quoi? Ce sont des raisonnements. Et puis dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il y a deux choses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu veut que tu saches, il y a deux choses qui les combattent. Les raisonnements, ça dit tu as une logique de pensée, mm-hmm. et puis les hauteurs. Le mot hauteur, c'est le mot opsoma. Opsoma, ce sont des esprits, ce n'est pas exactement l'homme fort, mm-hmm. ce sont les opsoma. Hein? La Bible dit, je l'ai traité d'un enseignement, la Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ mm-hmm. Et puis il dit, ce serait les profondeurs, et puis il dit, mm-hmm. les hauteurs. Voilà, les hauteurs, mm-hmm. les opsoma. Les hauteurs là, c'est des esprits qui imposent des sentiments et des émotions. Ma tête est réveillée, tu es de mauvaise humeur. En effet. Ma tête est réveillée, tu es découragé. Écoute, tu sais pas, il n'y a pas de raison valable, mm-hmm. mais tu n'as plus de force de faire quoi, c'est un opsoma. Tu n'as plus de force de te battre, tu n'as plus de force. Tes pensées sont corrompues. Tes émotions corrompues. Mm-hmm. Le raisonnement, c'est la corruption des pensées. Mm-hmm. Ici, c'est les émotions. Les opsomas vont attaquer tes émotions, tes sentiments. Et les forteresses vont attaquer ton raisonnement, ton système de pensée. Et ainsi empêcher. Mais on va les renverser aujourd'hui. Amen, dans amen, oui, amen. C'est quoi ta question maintenant? Je voulais savoir comment efficacement lier l'homme fort. C'est ce pourquoi je m'en vais. Tu me poses la question. Amen. Amen. Ok. Ça va de ton côté, Edouard? Oui, pasteur. Mais je voudrais donner le rêve que j'ai fait le mardi passé, si c'est possible. Donner le quoi? Le rêve que j'ai fait le mardi passé. Il a fait un rêve le mardi passé. T'as fait un rêve le mardi passé. Vas-y, je t'écoute. Voilà, en fait, comme j'ai travaillé, j'ai fini le matin à 10h. Mm-hmm. Donc, je suis endormi. Et quand je me suis endormi, j'ai senti que j'étais attaqué par un esprit qui était venu se coucher sur moi. Et quand cet esprit s'est couché sur moi, je me suis levé. Parce que habituellement, quand ça arrive,
tu te sens paralysé, tu ne peux rien faire. Mais je me suis levé et c'est comme si je l'ai fait tomber. Et puis maintenant, j'ai commencé à le combattre. Et bah, je n'avais pas pu suivre le MS Live vu que j'avais dormi. Donc après, je me connecte au MS Live et je vois qu'effectivement, c'était le combat contre les esprits. Parce qu'il fallait combattre les esprits et ne pas se laisser tomber. Donc j'ai pratiquement vécu le message du mardi passé. Voilà, et par le rêve que j'ai fait. Donc, c'est ce que je voulais. Mais tu as renversé l'esprit. Je l'ai fait tomber puisqu'il était couché sur moi. Voilà. Donc, en fait, je l'ai levé et je l'ai fait tomber. Amen. Ce que ce que j'explique à chacun d'entre vous, le rêve, là, c'est une chose dans laquelle vous ne devez pas être dans la défaite. Vous devez gagner. Amen. Et vous devez gagner. Alléluia. Amen. Tu dois gagner. Amen. Non. Amen. Amen. Alors, on va aller vers la réponse à la question de Sandra. Par rapport aux hommes forts, ok? Qu'est-ce qu'un homme fort fait? Quelle est la prison dans laquelle il te maintient? C'est qu'il contrôle ta façon de raisonner, ta manière de voir les choses. Pendant que je suis en train de parler du remplacement divin au rendez-vous des champions, j'ai touché un peu ce genre de situation. C'est-à-dire, il y a des personnes qui n'arrivent pas. C'est-à-dire, même si Dieu leur donne un songe où ils vont être riches, mais le système de pensée est tel que d'où je viens, ma famille, mes origines, l'Afrique. C'est-à-dire, en fait, c'est très difficile pour eux de s'élever, de rêver au-delà de leur réalité quotidienne. Ils sont enfermés dans une forteresse de pauvreté. Ils sont enfermés et le rêve de la grande vision, le rêve des grandes choses que Dieu a fait avec toi est enfermé dans une forteresse. Parce que tu as grandi pendant des années souffrant de la pauvreté, ayant vu des échecs autour de toi, ayant vu des dangers. Une sœur m'a envoyé un témoignage. Ce n'est pas directement un rêve, mais elle explique sa réaction vis-à-vis de son conjoint. Parce qu'elle s'est mariée. Et bon, comme c'est ma fille, au fur et à mesure, on parle. Et puis je crois que les choses doivent se débloquer. Alors elle a commencé à se rendre compte que vis-à-vis de son mari, elle avait un détachement. Elle n'était pas... C'est pas comme son mari va lui manquer, elle tient à lui, elle est mariée, elle aime son mari, mais il y a des sentiments, des émotions qu'elle n'éprouve pas vis-à-vis de son mari, tout simplement parce que là, elle est obsomatisée, auteur. Mais il y a aussi derrière ça un raisonnement. Alors, donc, en priant, elle a eu beaucoup de rêves où Dieu la ramenait dans la maison de son père. Amen. Elle a eu beaucoup de songes où elle se voyait dans la maison de son père. Je crois qu'il y a certains songes où elle l'a vu, qu'elle me voyait, et puis bon, par la grâce de Dieu, je l'ai sorti de la maison de son père. Donc elle était coincée dans des rêves de la maison de son père. Suivez-moi très bien. Vous savez, les femmes de nuit, les maris de nuit, tout ça là, c'est très souvent des choses, comment dirais-je, le raisonnement corrompu qui donne la force de prendre tes rêves est un blocage qui ne vient pas de ton âge adulte, mais qui vient de ton enfance. Wow. Il y a quelque chose qui s'est passé qui aujourd'hui t'empêche d'entrer d'avoir le rêve de ton mariage qui va se concrétiser, d'avoir le rêve de ta prospérité, d'avoir le rêve de ton enfantement, d'avoir le rêve de ton foyer. Parce qu'il y a quelque chose qui te coince. Il y a une mentalité quelque part qui empêche ton esprit d'aller loin. Et quand Dieu même vient télécharger des rêves importants, ils sont tous bloqués ici, derrière la forteresse. Et voilà donc comment pour elle s'est constitué. Elle dit donc qu'à cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance avec mon père biologique, donc elle a compris que elle s'est détachée même de son propre papa. Elle s'est détachée de son propre papa à cause de ce qu'elle a vécu avec lui. Et ça a entraîné aussi un détachement vis-à-vis de son époux. Parce que elle a dit, elle a vu son père trahir sa mère. Et cela, quand elle a vu papa tromper sa femme, ça a brisé toute estime de son père. Mais ça n'a pas brisé seulement toute estime de son père. Ça a brisé toute estime du mariage. Ça n'a pas brisé seulement l'estime du papa, mais c'est pas papa, c'est pas simplement un homme. Papa, c'est aussi un époux. Donc, elle, ça l'a brisé. Vous savez, il y a des gens qui vivent des drames familiaux, mais qui ne sont pas brisés à ce point. Il y en a d'autres qui sont brisés et qui enfouissent ça dans leur cœur. Donc, j'ai vu mon père trahir et ça a brisé toute l'estime que j'avais pour lui. Aujourd'hui, moi également, il y a des mots que je ne peux pas dire aisément. Je ne peux pas dire à son mari, je t'aime. Et même que
Elle n'aime pas entendre ça même. Quand voilà, si mon mari vient dire, je dis, je t'aime, elle n'aime pas. Voilà. Et elle n'a pas du tout envie de dépendre. De dépendre de son mari. Parce que faut pas qu'on la blesse. Mais en fait, c'est un raisonnement sournois. Avec des émotions qui lui sont données parce qu'on appelle des hauteurs. Rappelle-toi, Dieu dit que le combat, c'est pas ce genre de combat-là, c'est pas comment je vais arranger la maison, c'est pas un combat de la chair, c'est un combat de forteresse. Amen. Et il y a deux catégories de forteresse. Amen. Les raisonnements et puis les hauteurs ou opsoma. C'est ceux-là qui sont des voleurs de rêves où le diable passe par eux pour voler tes rêves. Tant que tu vas raisonner de la sorte, ça sera pour lui une occasion d'entrer. Amen. Amen. C'est après ça qu'on va trouver maintenant les accès dus à la colère. Les accès dus à la colère, ce sont des accès ponctuels. Mais les accès dus à des raisonnements, à des systèmes de pensée, sont des accès au diable presque pérennes. Parce que ça vaut l'installation d'un homme fort qui va se matérialiser dans la vie, comme notre sœur, dans la vie d'un mari de nuit. Alors, c'est qui le mari de nuit? Le mari de nuit, ce type de mari de nuit-là, qui vient... qui veut construire un homme fort que vous n'arrivez pas à chasser, ce sont des maris de nuit qui se sont présentés comme étant des solutions au drame que ta famille a vécu ou à la réponse à papa. Alors, on a plusieurs origines de ce type de mari de nuit. Hier, je parlais avec une de mes filles, là, en parlant avec elle, j'ai compris que le mari de nuit qui l'attaquait, elle n'a pas des rapports souvent intimes, mais elle sentait qu'il y a quelque chose, en fait, qui vit avec elle comme étant son mari et qui se sent... Voilà. Et alors, en parlant avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, son papa, sans s'en rendre compte, ou volontairement ou involontairement, et souvent les gens le font involontairement, quand les parents vont consulter des marabouts, des filles, quand ils vont consulter ce genre de personnes, on leur demande des sacrifices. On dit par exemple, tu veux que tes enfants réussissent à l'école, par exemple. Tu veux que tes enfants réussissent à l'école, mais amène-nous un pain de ta fille, amène-nous un pain de cela, amène-nous un de ses habits, on va faire des prières de sorte que cette fille-là, elle soit intelligente, elle soit brillante. Ok? Mais quand papa et maman sont partis faire ce don d'un objet de leur enfant, quelque part, ils ont donné l'accès. C'est-à-dire, ils ont marié leur fille. Parce qu'il faut savoir que ce sont les parents, dans la parole de Dieu, dans les lois spirituelles, c'est le père qui marie sa fille, c'est la fille, c'est le père qui marie sa fille et qui marie son fils. Amen. C'est le père qui marie sa fille, qui marie son fils. Amen. Donc, ton papa ou ta maman biologique peut, par ignorance, t'avoir marié un esprit sous prétexte qu'il venait te protéger, te faire réussir dans tes études, te rendre intelligent, te rendre brillant. Oui, voilà, ma fille, il faut la protéger. Mais qui vient la protéger? Il vient la protéger à quel prix? Tu vois, il vient la protéger. Un esprit va faire quoi avec un pain que tu as donné? Un esprit va faire quoi avec de l'argent? Un esprit ne touche pas l'argent. Un esprit, un démon fera quoi? Un esprit va dealer avec son esprit, va dealer avec son être intérieur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il l'épouse. Wow. Wow. Et c'est papa qui t'a marié. Wow. Ok? Alors, quand vous arrivez, donc l'homme fort qui arrive là maintenant, qui va s'installer, va maintenir un système de pensée ou bien émotionnel contre ton père, contre ta vie avec ton père, etc. Donc ça, c'est une des premières ouvertures en ce qui concerne des esprits de mari de nuit parce que les parents qui marient ont volontairement marié. Deuxième chose, il peut avoir le mariage que la personne même contracte. Le mariage contre le mari de nuit que la personne même contracte. Tu vas contracter le mariage avec l'esprit de nuit parce que tu l'as trouvé comme une réponse aux besoins affectifs que papa ne te donne pas, que maman ne te donne pas, au manque d'affection que tu as à la maison, ou bien un esprit vient te faire la proposition, je peux te consoler, je peux te marier. Donc, la personne délibérément va inviter cet esprit-là dans sa vie. Il peut finir, si elle entretient pendant longtemps, il va finir par devenir ce qu'on appelle donc un homme fort. Ok? Mais tout cela, nous les renversons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. N'oublie pas la première solution que je t'ai donnée, récupère ton rêve. Récupère ton rêve et on va voir comment on y arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vraiment, si tu me suis que tu n'arrives pas à avoir de bons rêves du futur, de la victoire, que tous tes rêves sont des rêves compliqués, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Les rêves doivent venir pour t'avertir de temps en temps des dangers, mais en règle générale, tu dois avoir un rêve très important qui va marquer ta vie. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Amen.
Donc, il y a certaines personnes qui se sont données elles-mêmes. Il y en a d'autres qui ont été données par leurs parents qui vont donner accès. Et le troisième type d'accès, c'est un esprit qui se sent lié à votre famille par hérédité. Ok, ils se sont liés par votre famille, ils se sont liés à ta maman ou ils se sont liés à toi par hérédité. Donc, en fait, il va se retrouver dans ta vie parce qu'il est, il circule dans le sang familial. Ok, donc, peu importe la situation, ces esprits-là vont se battre contre tes rêves. Ils vont se battre, ils vont faire tout pour les tuer et te présenter un ensemble de difficultés, de cauchemars, de finalités négatives de ta vie ou d'événements que tu traverses. Ils vont apparaître dans des rêves pour détruire tes affaires. Donc, quand tu vas, pendant que toi tu rêves, tu commences à entreprendre des projets, tu fais un rêve que ta boîte a fermé. Alors, tu vas croire qu'il y a des sociétés qui veulent t'attaquer, tu vas commencer à les combattre en désordre. Et puis, la boîte finit par fermer. Non, mais en fait, ce qui te combat, ce n'est pas un esprit extérieur, c'est ta forteresse intérieure. Si tu prends le contrôle, l'Esprit Saint va te parler, tu vas balayer tous les démons qui essaient de te raconter n'importe quoi. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. 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 Quelqu'un donne un bon amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment est-ce qu'on combat un homme fort? Amen. Bien sûr, il faut le chasser au nom de Jésus. Bien sûr, tu dois prendre autorité au nom de Jésus, mais t'appuyant sur quoi? Tu vas t'appuyer sur le Dieu de ton Père, le Père. Amen. Un raisonnement n'est pas forgé pendant la vieillesse, il est formé dans l'enfance. Amen. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître la pensée, la parole, le raisonnement de l'enfant. Donc, n'oubliez pas qu'on est en train de combattre des raisonnements appelés forteresses. Et l'apôtre Paul dit, j'ai fait passer les faux raisonnements. Je l'ai expliqué dans l'enseignement sur le remplacement divin, que comment raisonne un enfant? Un enfant raisonne en disant, papa prend soin de moi. Amen. Maman prend soin de moi. Amen. Donc, ton âge peut être vieux, tu peux avoir atteint 60 ans, mais quand quelqu'un, pour manger, il s'attend à ce que le gouvernement le prenne en charge, quand quelqu'un ferait pour travailler, il est toujours dans une attente, qu'est-ce que les hommes vont faire pour moi? On ne m'a pas payé. Quand on voit les gens parler, quoi, vous tous qui parlez comme ça, vous êtes sous forteresse et vous ne pouvez pas avoir vos rêves. Oh. Tous ceux qui sont à l'église, Dieu m'a dit, ça m'a vraiment, Dieu a commencé à me parler de cela et je vais en parler demain au rendez-vous des champions. Oh. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que les hommes, ils sont convaincus que si l'État ne les a pas embauchés, ils sont finis. Quand ils ont fini les études, ils sont convaincus que si un tonton n'est pas venu payer leurs études, il ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire, en fait, Dieu va leur dire, je ferai des grâces avec toi, mais il ne peut pas accepter que... De par où ils vont passer? Par où ils vont passer? Donc, ils sont devenus âgés, ils ont pris de l'âge, mais ils ont toujours la mentalité de dépendance. Ils ont toujours le raisonnement de dépendance, parce que la forteresse va mettre ton raisonnement de dépendance. Je dépends de mon patron. Ma pauvreté, ma richesse dépend du salaire qu'il me donne. S'il me paie bien, je serai riche. S'il me paie mal, je serai pauvre. Donc, il n'y a pas un moment donné où toi-même, tu prends l'autorité pour dire non, je vais diriger ma vie. Mon mariage dépend d'eux. Donc, c'est quelque chose de subconscient. Effectivement, ton mariage dépend de tes parents. Mais cette fois-ci, tu vas appliquer Matthieu chapitre 9 qui dit, n'appelez personne sur la terre votre père. Alors, ma fille spirituelle qui avait le problème dessus, je lui ai donné le dos. Je dis, tu pries. Il ne faut pas renier ton papa, hein, biologique. Il ne faut pas le renier. Ce que tu fais, tu dis, amen. 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 Mon père. Parce que Dieu est le père céleste, amen, initial. C'est lui ton, amen, vrai papa. Amen. Tu dois reporter sur lui, amen, les attentes que, amen, tu avais de ton père biologique qu'il n'a pas fait. Amen. Lisez bien le texte de Salomon, là, le rêve qu'on a lu. Hein? Là, je cours à cause du temps. Vous avez vu le texte qu'on a lu? Mm-hmm. Quand Salomon commence à faire sa prière pour son rêve, il commence à s'appuyer sur son papa. Mais son papa qui marchait avec Dieu, il dit à, amen, papa, il dit à l'Éternel, mon père! Mon père. Donc, en fait, Salomon a pris pour père Dieu. Mais il avait l'avantage d'avoir eu un papa biologique qui marchait avec Dieu. Donc, il a compris qu'il allait surfer sur cette lignée. OK? Amen. Mais quand, amen, on a un papa... Les choses n'ont pas vraiment fonctionné, mm-hmm, dans l'enfance. Mm-hmm. Franchement, il faut que tu repositionnes, mm-hmm,
Dieu comme étant ton père. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit, je ne donnerai pas un serpent à mon enfant s'il me demande un poisson. Je vais encore toucher ce point-là. Je te dis, ne manque pas le rendez-vous des champions avec remplacement divin. Amen. Parce que je toucherai cela. Alléluia. Amen, amen. Enfin, si tu regardes bien, l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est la même chose. Hein. Abraham, c'est la même chose. Le papa d'Abraham était un idolâtre. Il s'appelait Térak. Le nom Térak signifie retard. Mais Dieu a écrit l'histoire d'Abraham pour nous développer, pour développer notre foi. Abraham a une vision floue de son futur. Il sent qu'il doit aller à Canaan. Mais Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Mais il s'en va avec. Il quitte son pays, mais il part avec la maison de son père. La maison de son père est une chose qui ne nous quitte pas facilement. Et la Bible dit qu'ils sont arrivés à Charan. Donc, il était en cours de réalisation de sa vision, comme cette sœur-là, qui est sur le chemin de la réalisation de sa vision, qui voit que Dieu fait des choses avec elle, mais elle n'arrive pas, et même celle qui a envoyé le courrier pour la dire qu'elle a rétrogradé. Donc, elle est sur le chemin, mais elle transporte la maison de son père. En effet. Amen. Amen. Et dans la maison de son père, quand vous lisez Genèse chapitre 11, il est cité, voici la maison de Térak, Sarah était stérile. Donc, dans la maison de son père, il y avait la stérilité. Dans la maison de son père, il y avait l'idolâtrie. Dans la maison de son père, il y avait un ensemble de choses. Donc, Abraham quitte le pays, on va dire se convertit, mais il va avec papa et il s'arrête à Charan. La Bible dit que la deuxième révélation de Dieu à Abraham s'est accomplie, Genèse 12, 1, à la mort de Térak. Tant que tu ne vas pas dans ton cœur aimer Dieu, ne plus en vouloir à ton père biologique. Parce que tant que tu vas en vouloir à ton papa biologique, tant que tu vas avoir de l'amertume, un peu fou, de la colère par rapport au passé qu'il a, tu montres que tu dépends encore et tu as toujours sa dépendance. Mais tu dois lui pardonner en laissant Dieu le Père prendre la responsabilité parce que tous les hommes sont limités. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, quitter le papa. Amen. C'est ça maintenant, ok, Dieu est mon Père, je vais prendre mes responsabilités. Amen. Et Abraham l'a fait. Mais quand il l'a fait, il n'a pas vraiment quitté la maison de son père. Il est parti avec Lot. Le fait d'avoir quitté Térak l'a amené à Canaan. Mais de Canaan, il a dépassé Canaan, il est parti en Égypte. Et là, il a failli vendre sa femme. Et après, quand il est revenu, c'est là maintenant que Dieu va entendre ses prières. Et Dieu va faire qu'il y aura des disputes entre ses bergers et les bergers de son neveu Lot, qui appartient à la maison de son père. Et c'est quand Lot va partir que les yeux d'Abraham vont s'ouvrir. Amen. Et puis Dieu lui dit, voilà ton héritage. Amen. Voici ton rêve. Amen. Donc, Térak comme Lot empêchait Abraham d'avoir son vrai rêve. Et c'est cela dont tu dois te débarrasser. Abraham, Amen. Il ne s'est pas vite débarrassé. Ce sont des années. Amen. Mais ce que Dieu veut te révéler à travers de l'histoire d'Abraham, c'est que Térak doit mourir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire de ne pas respecter ton père et ta mère. Mais la relation toxique d'amertume, de colère ou de dépendance ou de contrôle vis-à-vis de papa doit disparaître pour remplacer la relation saine qui est Dieu est mon père. Amen. Mon père biologique, je dois le respecter, je dois le respecter, mais je n'aurai pas des attentes que je m'attendrai à Dieu. C'est pourquoi Dieu est le seul. Donc, Amen. Il faut que tu reprennes ça. Quand tu vas reprendre, attends, tu fais disparaître ce qui est de l'enfant. Et comment tu vas le faire? Par confession et prière régulière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chaque fois que tu rentres dans ton rêve, quand tu dors, tu t'es réveillé, on t'a poursuivi. J'ai dit, quand tu es encore dans les vapes, tu n'es pas encore bien réveillé, tu dis, c'est pas fini. Tu rendors, tu dis, Saint-Esprit, Père, tu es mon Père. Amen. N'oublie pas, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter. Il dit, non, il dit, les âmes avec lesquelles nous combattons, c'est un combat. Père, je reprends le contrôle. Amen. Et tu rentres là-bas. Au nom la fille, de Jésus. Toi, ma fille, tu as vu que tu n'arrives pas à accoucher. Tu dis aujourd'hui. Au nom de Jésus. J'accouche. Au nom tu dois Jésus. Le déclarer dans ton rêve. J'accouche. Amen. Au nom de Jésus. Toi qui as l'habitude de voir les maris de nuit, tu retournes là-bas. Tu vas lui dire qu'il n'est pas ton mari. Tu vas lui dire, toi, tu fais quoi et moi ici? Tu lui coupes la tête Amen. Dans ton rêve. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mais tant que dans tes émotions, tu te sentiras faible, bloqué par ton histoire, tes émotions du passé, ton rêve sera contrôlé. Tu sais, est-ce que tu sais qu'avec ça, tu peux récupérer ton mari qu'une femme t'a volé? Waouh. Ah oui? Amen. Parce que ceux qui ont les maris qui ont été volés là, si elles regardent dans leurs rêves, elles ont dû voir des rêves de la chair. Satan leur a montré que son mari allait, il t'a montré que le mari est parti. Et ça crée en toi la peur de perdre ton mari. D'où ta jalousie maladive. Pourquoi tu as peur de perdre ton mari? Parce que tu ne vois pas que
tu ne vois pas ce que ton mari et toi allaient bâtir, mais tu as vu le drame qui pouvait arriver à ton couple, et c'est ce qui te met dans une jalousie maladive. Mais tu es sous le contrôle d'une forteresse et d'une hauteur. Ok? Amen. Traite avec cela. Amen. Retourne dans ton rêve. Amen. Avec le sang et la puissance de Jésus-Christ. Prends ce mari de nuit-là. Amen. Chasse-le. Amen. Retourne voir ce rêve qui t'annonce cette peur, qui t'annonce Amen. Les choses que tu crains. Amen. Et puis dis non, 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 non. Les projets que Dieu a pour moi sont des projets de paix. Amen. Ce ne sont pas des projets de malheur. Mon mari ne partira pas. Ma famille sera bâtie. Il faut Amen. Que tes rêves t'annoncent la victoire. Amen. Jusqu'à ce que tu sois ferme. Amen. Déterminé. Amen. Violent en toi-même Amen. Pour faire taire l'autel, Amen. Le raisonnement de la maison de ton père. Amen. 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 Voilà, et installer Dieu Amen. Le Père Amen. Comme étant ton Père. Alléluia. Amen. Celui qui te conseille, qui t'oriente, qui te dirige. Je rappelle, ça ne veut pas dire de dénier, de renier tes parents. Amen. Ça veut dire de leur donner ce que tu leur dois, Amen. Respect, considération, Amen. Mais ne pas les appeler, c'est-à-dire t'attendre à ce qu'ils aient été les parents parfaits. Donc, si papa n'a pas été parfait, tu lui pardonnes. Si maman n'a pas été parfaite, tu lui pardonnes. Parce que maintenant, tu as rencontré le Christ, tu as rencontré Dieu, ton Père, il est celui-là qui te donne ce qu'eux n'ont pas pu te donner. Amen. Tes parents biologiques t'ont donné ce qu'eux-mêmes, ils ont connu dans la vie. Amen. Ton papa n'aurait pas pu te donner l'amour ou donner l'amour à sa femme, donner l'amour s'il n'avait pas lui-même reçu. Amen. Mais toi, tu l'as reçu de Christ, Amen. Tu l'as reçu de Dieu, donc tu n'as en vouloir à personne. Qu'est-ce que tu dois vis-à-vis de tes parents biologiques? Tu leur dois du respect. Accorde-leur ce respect. Amen. Vous, donc, Amen. Prenez cette... victoire là dans votre sommeil, Amen. Va découper la tête du mari Amen. De nuit. Amen. Fracle, fracasse-le. Amen. Voilà. Mais il faut savoir qu'un mari de nuit qui revient tout le temps s'appuie sur un opsoma, c'est-à-dire une hauteur ou sur une forteresse. Comment je renverse les forteresses? Par persistance. Je n'accepte pas les raisonnements comme étant valables. Je vais dire la vérité. La vérité, c'est pourquoi la Bible dit, si vous demeurez dans la vérité, vous serez affranchi. Amen. Ce n'est pas si vous écoutez la vérité, ce n'est pas suffisant. Il faut rester dans la vérité. Amen, amen. Nous avons été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Reprends le contrôle. Reprends le contrôle. Amen. Alléluia. Alors, je vais t'inviter à lever la main. On va prier ensemble pour la prise de contrôle dans la guerre spirituelle, dans la guerre des rêves. Breda sorobara la kanda la babros rakatarinda brais. Breda brada sorobara la glorianda brada leri kata la babros. Prede brada soro bara la glorianda brada sere mara la brai. Brianda brada soro bara la glorianda brada sara bara la cantara babro. Prede brada soro bara la clarianda brada senda la babus. Prede brada sara bara la glorianda brada santa la baga. Lai de were le vai de ribaba. Père, Père, je lève la main vers toi. Levons nos mains vers le Seigneur. Et dis à ton Dieu, Papa, par le pouvoir que tu me donnes, je reprends l'autorité sur ma vie. Je reprends l'autorité sur ma vie. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Et je marche comme tel. Je marche comme tel. Je règne. Je règne. Parce que mon père est un roi. Parce que mon père est un roi. Je domine. Je domine. Parce que mon papa domine. Parce que mon papa domine. Je ne suis inférieur. Je ne suis inférieur. À aucun autre esprit. À aucun autre esprit. Car mon père le roi. Car mon père le roi. Mon père est le roi. Mon père est le roi. Je suis un roi. Je suis une. Je suis un roi. Je suis. Je domine. Je domine. Je domine. Je domine. Désordre. Désordre. Dans mes pensées. Dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je te chasse. Je te chasse. J'appelle la lumière. J'appelle la lumière. Que la lumière soit. 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 Je prends autorité. Je prends autorité. Et je fais disparaître. Je fais disparaître. Les raisonnements de l'enfant. Les raisonnements. Les pensées de l'enfant. Les pensées de l'enfant. Et les paroles de l'enfant. Les paroles de l'enfant. Je raisonne. Je raisonne. Comme un père. Comme un père. Je parle. Je parle. Comme un père. Comme un père. Je pense. Je pense. Comme un père. Comme un père. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, garde les mains levées. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta puissance. Merci pour la visitation que tu fais. Merci pour la victoire que tu accordes. Merci parce que les chaînes, les forteresses tombent. Les liens tombent. Les forteresses sont brisées. Et ta victoire est bâtie. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Merci Père pour tes hauts faits. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc tu as compris, les hommes forts sont traités
on reprend le contrôle par la persistance, par l'insistance. Amen. Et l'insistance de quoi? De la vérité de Dieu. Amen. De les choses que Dieu a dites te concernant. Il Amen. Est ton Père, il est ton Seigneur, il est Amen. Ton guide, il est ton conducteur. Amen. Tu dois le confesser, le déclarer. Et Amen. La puissance du Saint-Esprit, ça ira très vite. Amen. Amen, 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 amen. Donc, ça, c'est la première étape pour prendre le contrôle des rêves. Pour prendre Amen. Le contrôle des rêves. Amen. Ok. Sandra, tu as une question. Edouard, tu as une question? Moi, j'ai une question relative au Père. Bon, pour ceux qui ont des parents qui sont orphelins, qui ont peut-être très tôt leurs parents, comment est-ce qu'on peut gérer ça? Est-ce qu'ils ne sont plus... Comment oui, faire pour pouvoir les honorer? C'est une bonne question. Alors, l'honneur n'est pas dû à une personne, au fait qu'elle soit vivante. Par exemple, tu honores l'apôtre Paul, tu honores Abraham, sans les avoir vus, qui sont déjà décédés. Voilà, l'honneur, c'est la considération intérieure. Alors, pour considérer ses parents, il faut pardonner les causes qui ont fait que tu te sens, vous sentez blessé. Il faut pardonner ces causes-là. Bien sûr, en étant conscient que tu es le Père par excellence. Voilà, ça va faciliter le fait, ça va faciliter ton pardon. Et ça va faire que tu verras les qualités de ton papa, tu vas pouvoir l'honorer. Parce qu'en toi, il n'y aura plus d'amertume. Amen. Edouard, tu as une question? Non, parce que je n'ai pas de question. Alors, soyez tous bénis. Amen. 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 J'espère que ce moment vous a fait du bien. Très bien, pasteur. Oui, pasteur. Ça va, hein? Oui. Donc, vous prospérez au nom de Jésus. Amen. Voilà. Amen, amen. Notre Dieu que nous avons donné est un Dieu riche, est un Dieu béni, est un Dieu prospère. Amen. Mais je vous assure, et je vous demande en fait pour ceux qui suivent de continuer avec l'enseignement sur le remplacement divin. Je vous assure, le combat contre les forteresses, les raisonnements est un des plus gros combats. Et ce livre-là est très riche, très puissant. C'est le livre du pasteur Yvan Cassano. Amen. Je vous le conseille vivement, 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 vivement. Amen. Amen. J'ai aussi beaucoup enseigné là-dessus, donc on a des enregistrements là-dessus. Amen. Mais vraiment, c'est un livre vraiment complet, en tout cas de mon point de vue, sur le sujet. Il touche énormément d'aspects. Amen. Et il va te conduire vers la victoire. Amen. 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 Sans bien sûr oublier de te procurer, donc dès dimanche prochain, notre dévotionnel sur la... patience Amen. Sera là. Amen. Voilà. Sur la patience divine sera là. Amen. Il ne faut pas manquer. Amen. On est resté 2 mois sur la paix. La patience, c'est possible qu'on fasse. Peut-être qu'on fera 1 mois. On va voir. Amen. Amen. Voilà. Peut-être qu'on fera 1 mois. Amen. OK. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Tu es béni, Sandra. Amen. Tu es béni, Edouard. Amen. Je vais. Amen. Amen. On va vous laisser et puis. Allez pour la prière de fin et les dernières annonces.
Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci Seigneur Jésus. Voilà notre MS Life, École des prophètes, combat spirituel, le combat des rêves, tire à sa fin. Donc, te rappeler, vendredi 28, on n'aura pas de Night Fire. Je veux que ce n'est pas du tout évident d'en faire en étant en croisade parce que maintenant on commence plus tôt. Donc, on va reprendre. Il faut compter le premier vendredi. Ça, non. En tout cas, on va voir. Je pense que le premier vendredi. 5 mai. Voilà. Et voilà, on continue notre tour d'évangélisation, le tour 931. Et là, on sera à Kachola, porte-nous en prière. Et sans oublier, du 12 au 14 mai, à Saint-Hyacinthe, notre puissant programme Face à Face Canada. Voilà, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Voilà, n'oubliez pas vraiment le culte du Rendez-vous des Champions, avec les points dont j'ai parlé tantôt. Ok.